to borrow. Chord progressions, sounds, little ditties, tiny things. Just snatch them all up. That's one of the reasons why I can churn stuff out, is because I don't have a problem with reusing or borrowing something that I heard. And I used to, because I thought it was not original, not creative. But I quickly found out that I am not original or creative. I can't make up a new thing. And I very much doubt, anyways, that any of the people that I listen to were the first ones to think of a particular progression. So once you get over that, sounding good. Hey, coucou tout le monde! Comment ça va? Ouh là là, j'ai plein de soleil de ce côté-là. Enfin, c'est pas grave. Hein. Coucou DeadGame23, comment ça va chez toi? Ouais. Je pense que les gens sont pas encore tous arrivés, tu sais, c'est pas encore un énorme stream, y a pas 40 personnes qui sont là avant même le début. Hein. Bah t'inquiète pas, les gens ils vont venir. Puis s'ils viennent pas, c'est pas grave, moi je stream quand même. Donc c'est pas trop un problème. Ouais, je sais pas qui c'est qui vient d'ailleurs le mardi soir. Hein. Donc on verra qui pourra être là. Bah écoute, ouais, ça va, tranquillou, c'est... je me rends compte que j'ai pas joué à Hades depuis genre 2 semaines. La dernière fois, je crois que c'était le 16 ou le 18 mai, un truc comme ça, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est un jeu où on perd très très vite la main. Donc on va voir si je sais encore jouer, d'où le titre d'ailleurs. Mais ouais, on verra. Je suis en live jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que je sois fatiguée. J'avoue, je sais pas. En général, j'ai tendance à faire peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. Donc ça ferait quoi, les 19 heures? Ouais, peut-être vers 10 heures, hein, dans ces eaux-là. Si je suis pas trop crevée, je continue un peu après. Si je suis vraiment fatiguée, j'arrête un peu avant, donc il n'y a pas... Mais j'essaye, dans la mesure du possible, j'essaye de faire que ce soit quand même au minimum 3 heures, parce que... Au tout début, je faisais genre 2 heures, mais... En 2 heures, tu fais rien, quoi. Déjà, selon qui est présent sur le chat, selon qui parle, de quoi on discute, ça peut mettre 3 quarts d'heure avant que je lance le jeu. Genre, quand on a la présentation des BD Louise, par exemple. Donc forcément, ça lance pas tout de suite. Même si là, je crois que ce soir, on n'a pas de présentation de quoi que ce soit. Donc en fait, ça devrait aller. Ouais. J'ai juste pas décidé encore si je fais un stream demain après-midi. J'ai envie, et puis en même temps, il fait beau en ce moment, donc ce serait un peu dommage de s'enfermer, mais... On verra. Potentiellement, il y aura quelque chose demain vers 14-15h également. Donc voilà. En tout cas, ben, j'espère que tu as passé une bonne journée, ainsi que, ben, pareil, les personnes qui sont sur le chat. Et ben voilà, que ce soit boulot, vacances, école, peu importe, j'espère que ça se passe bien pour vous. Tu seras sur Apex avec ton copain, donc tu reviendras. Ouais, il n'y a pas de problème. Y a aucun souci, bah, amuse-toi bien sur Apex, j'espère que ça se passe bien. C'est toi qui avais dit, hein, t'avais le... C'était quoi le personnage Valkyrie, c'est ça? J'espère que je ne confonds pas avec quelqu'un d'autre, mais que t'avais eu un personnage récemment. Et comme dit, je connais très 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 mal Apex, mais on peut pas tout connaître. Ok, bah j'espère que le perso est bien. Mais je peux pas en dire plus malheureusement, mais je ne peux que espérer. Et puis, ben, moi de mon côté, je vais faire du Hades, histoire de taper un peu dans le tas et de me défouler d'une façon différente que sur Hollow Knight. Donc, ah, mais n'empêche, Hollow Knight, si, j'ai quand même progressé, je me rends compte, depuis le début, parce que des trucs que je ne faisais pas lors de mes premières parties, ben maintenant je les fais. Donc, ouais. C'est pas géant, mais il y a quand même du progrès. Elle a un jetpack. Oh, ok. Attends, regardez. Valkyrie Apex. Regardez. Ah ouais, personnage qui peut voler, ouais. Ah, c'est classe.
Même si, scientifiquement parlant, je me pose toujours la question des... tout ce qui est jetpack, c'est hyper classe à dessiner, à mettre dans des films, des jeux, des trucs comme ça. Mais en vrai, je pense qu'on se fait un petit peu retirer les fesses, quoi. Mais si c'était faisable, vous pouvez faire un vrai jetpack sans cramer le bas du corps de la personne qui porte, ce serait cool. Hein. 16 ou 9, ah ouais, quand même. Ah, quand même. Déjà. Je sais pas tous les combien il y a une saison, mais... C'est pas mal. C'est pas tous les quelques mois. Oh, je sais pas. Pour Apex, honnêtement, je sais pas du tout. Ouais, bah moi, de mon côté, je pense que je vais doucement lancer Hades. Elle peut tirer des missiles aussi. Ah bah, dis donc. Et elle jetpack, elle a les missiles. Bah, on se pose là, quoi. C'est tranquille. C'est bien. Bah, j'espère que c'est un bon perso à jouer. Comme dit, j'ai jamais joué, donc... Je sais pas si j'essaierai un jour, parce que pour être honnête, tous les trucs Battle Royale, c'est pas forcément mon kiff à la base. Enfin, en même temps, je disais ça des Metroidvania et des roguelikes, hein. Donc bon. Et elle peut voler très haut en plus. Ah bah. Tout pour faire plaisir. Dernière partie que j'ai faite de Hades le 22 mai. C'était il y a 10 jours. Je vais être toute rouillée. Je sais même pas ce que je voulais jouer. J'avais dit que je voulais faire ça, chercher des builds, histoire de quand même commencer à optimiser pour monter dans les températures, mais... Oh là là, eh bah ouais, je l'ai pas fait, évidemment, parce que je suis une grosse quiche. Si j'allumais mon dongle, ce serait bien. Et bon, bah j'ai passé sur ma scène de jeu tout doucement. Je vérifie que... Ah, j'ai quelques petites pertes sur OBS... OBS d'ailleurs qui m'a gentiment dit que hey, au fait j'ai une update à faire genre au moment où je lance le live, donc non, tu vas mourir. Tu vas aller jouer Apex avec ton copain, donc je reviendrai à toutes, eh bien à toutes Deadgame23 et amusez-vous bien tous les deux. Moi de mon côté, pourquoi il reconnaît pas ma manette ce con, ok. D'accord, ça commence bien. Eh ben... Ok. Ah bon, au pire, j'ai toujours la manette filaire, hein, c'est pas un souci, mais... Ça m'embête un peu quand même. Bon. Ok, on va prendre la filaire, hein. On va pas s'embêter. Il est vrai que j'aurais pu vérifier ça avant, mais bon... Hein, comme on disait, un stream pro, s'il n'y a pas de problème, c'est pas un stream pro. Coucou Chouette Design, comment ça va chez toi? Oh là là, moi je suis en train de jongler entre deux manettes, ça va être terrible. Maintenant du coup, j'ai pas l'habitude. Ah! Ah ouais? Bah, celle-là, il la reconnaît. Pourquoi il reconnaît pas celle-là, du coup? Ouais, bon. Oh non, bah il veut pas la manette Xbox, hein. Papy. On va repasser sur la hybride et puis... Bon, il est vrai que le jeu aime pas trop que je change de matériel. Bref, bah en tout cas, Chouette Design, j'espère que ça va chez toi, que tu as passé une bonne journée. Je sais pas du tout ce que je vais jouer, parce que j'avais dit que je voulais essayer l'aspect, c'était quoi, Rama? Donc lui, charge bien. Ça, c'est le barrage de flèches qui rebondit. Le tir puissant, c'est quand ça clignote, que je sais absolument pas le faire. Et l'assaut. L'assaut avec l'arc, je trouve ça vraiment perturbant. Je vais essayer une run à l'arc, mais pas en température 13, hein, parce que faut pas déconner. Et en vrai, je sais pas du tout quoi prendre comme... maintenant que j'y pense. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Ah, je sais pas quoi viser comme build, parce que c'est un aspect que je viens de débloquer, donc en fait, je sais pas du tout. J'ai pas débloqué autre chose, d'ailleurs. Mais si, j'avais débloqué l'aspect du bouclier, moi. Ça va bien, merci, il faut faire son petit réglage avant de jouer, c'est important. Bah ouais, mais bon, ça marchait bien sur Hollow Knight tout à l'heure, donc... Je t'ai dit, oh, bah ça marchera là. Aegis, voilà. Ouh, oh, ça c'est violet et rose comme couleur. Aspect de Beowulf. Ah, j'aime bien ce nom. Rempart de Negling. Votre attaque et votre technique sont lentes mais plus puissantes. Votre lancer s'incorpore à votre charge pour augmenter sa puissance au lieu d'être un tir.
Charge du dragon. Renforcée avec le... La charge du taureau renforcée avec le dragon. Toutes les hémolites incorporées explosent au point d'impact. Oh purée. Je vais pas prendre ça parce qu'il est que niveau 1, donc ça va être un peu moisi. Mmh. Je suis toujours sur aspect de Zeus. Bah ouais, de toute façon, je peux pas le prendre puisque je ne peux pas le déverrouiller. J'ai pas assez de sang de titan, effectivement. Ah, du coup, il me faudrait du sang de titan. Est-ce que je tente à l'arc ou au bouclier? Je sais pas du tout. On va peut-être rester au bouclier quand même. On va se mettre en Zeus. Et qui je vais prendre? Vivi. Vivi, je peux pas l'utiliser contre Major, forcément. Morty. Je sais qu'il y en avait qui n'étaient pas débloqués au niveau des prophéties. Je vais juste aller regarder ça maintenant que j'y pense. Celui-là, j'ai toujours pas fait. Baiser soufflé. C'est toujours pas ça non plus, du Aphrodite, ok. Comment ça s'appelait de nouveau? Il y avait un truc avec une prophétie. Mince. Et... Ah, j'arrive plus à me rappeler maintenant. J'arrive plus à me rappeler. Non, le bouclier du chaos, c'était pas ça. L'avatar du préservateur, ok. Ah, ça c'est l'aspect caché, ok. Donc ça, je l'ai pas fait forcément. Déjà, avec l'aspect normal de l'arc, j'ai réussi qu'une fois une run, donc c'est dire. Je suis nulle à l'arc, c'est horrible. En même temps, je le joue pas, donc forcément, je m'améliore pas. Comment ça s'appelait? Il y avait un truc où il fallait que... C'était par rapport aux compagnons. Ah non, c'était là, je crois. Il y avait quelque chose où ils n'étaient pas listés. Et c'était super bizarre parce que... Ouais, voilà, ceux-là, ils sont pas... Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait de run avec? Enfin, j'ai pas fini de run. Bon. On va garder Morty pour le coup. Ah, c'est terrible, j'ai envie de faire le dash avec le même bouton que sous Hollow Knight. Forcément. Ok, donc limite de température largement dépassée. Merci Sherlock, j'avais pas compris. On va virer les mesures d'urgence. Température trop basse. Assemblée générale, c'était quoi? Les plus grands nombres. Avantages sociaux. On va mettre calisthénie. Allez. Comme dit, bouclier, j'ai pas fait beaucoup de run avec, donc forcément, je vais essayer en température pas très élevée quand même pour voir. Est-ce que j'ai pris le truc de Zeus? Ouais, c'est bon. Je vais mettre un petit peu de technique là. Oh, ta mère, Perséphone, est une femme rusée, Zagreus. Elle n'a rien envie à ton père de ce côté-là. Je suis heureux de savoir que vous êtes en bon terme et que vous avez accepté de nouvelles responsabilités au sein de votre maison. Évidemment, je continuerai de t'apporter mon soutien et j'espère que nous aurons à nouveau un jour l'occasion de nous retrouver en personne. Marrant de faire les voix. Bon ben. Hop. Technique foudroyante. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est celle qui est super pépouse. Enfin, en apparence. Parce que bien utilisé, c'est-à-dire pas comme moi je le fais, évidemment, ça peut être très cool. Enfin, j'ai l'impression de pas avoir joué à ce truc depuis des années, quoi. C'est horrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais le bouclier, je pense que ça peut être un bon compromis entre le corps à corps et le distance. Bah, déjà pas comme ça. Ok, faut vraiment que je m'en rappelle. Faut vraiment que je me rappelle comment on utilise ce bousin. Ça va pas être glorieux ce soir, hein, je vous dis tout de suite, c'est... Il faudrait vraiment... Il faut pas que je passe 10 jours sans jouer à Hades. Parce que c'est juste pas gérable. Viens là. Voilà. Et viens là, toi aussi. Ouais, faut que je m'entraîne un petit peu. Parce que Hollow Knight est très bien, mais si je fais que à chaque fois ce jeu-là, je vais jamais y arriver sur Hades. Et Hades, j'ai pas fini de le poncer non plus. Hein. Voilà. Ok, ça va, j'ai pas pris trop de dommages, c'est bon. Alors Popo, qu'est-ce qu'il me propose ça? Oh, je t'assure, mon neveu, que j'étais très surpris d'apprendre que Perséphone était ta mère depuis le début. Elle a disparu d'ici un jour. Elle s'est enfuie, m'a semblé, peut-être à cause de son sang de mortel. Mais elle était avec ton père. C'est mon frère, le scélérat, dans cette histoire. Ok.
3D Hollow Knight, tu dors Hollow Knight, tu manges Hollow Knight, tu joues Hades en mode Hollow Knight, ouais, je chie Hollow Knight, ouais, c'est ça, quoi. Coucou Shadow Wonder, comment ça va chez toi? T'as passé une bonne journée? Je faisais quoi, moi? Je faisais quoi? Prendre celui-là? Je sais pas si c'est un bon choix, mais... Alors, je sais pas du tout ce que je fais au niveau du build, parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas joué le bouclier dans Hades. Enfin, très longtemps. Je l'ai pas joué très souvent non plus, d'ailleurs, comme on peut le voir au niveau du score de température. Hein. C'est pas très glorieux. Mais... Bah bon, on va se réhabituer. En vrai, je disais qu'il faut juste que je pense à jouer à Hades quand même en dehors du stream, histoire de... Ben de pas perdre la main, parce que là j'ai pas joué depuis stream, je crois que c'était ouais, le 16 ou le 18 mai, et la dernière fois que j'ai lancé le jeu c'était le 22 mai, ça fait 10 jours, ça fait long, ça fait très très long. Est-ce qu'on irait pas chez K.O. On va aller chez K.O. J'ai toujours pas eu sa malédiction rébellion, parce que ben, j'ai pas que ça à faire que de prendre des malédictions de K.O. Et je parie que là dans 4 chambres j'ai le boss et... Alors, confusion explosive. Ah bah ça c'est bien celui-là. Il va être bien. Puisque je n'ai encore rien sur le lancer et que je ne vais pas l'utiliser des masses. Shadow Wonder, toi t'avais joué à Hades? Juste par curiosité. Parce que j'avoue des fois je confonds qui a joué à quoi. Je vous avoue que c'est pas toujours évident, surtout qu'il y a... Comme il y a quelques personnes qui ont rejoint le stream récemment et que j'ai pas l'habitude d'avoir plus qu'une personne qui se pointe tous les 15 jours. Je pense acheter Hades bientôt parce qu'il a 1€ sur Instant Gaming. Ah bah ouais, bah profites-en, ouais. Là, t'as bien raison. C'est 1€! Waouh! Ah bah ils ont sacrifié les prix, là. Là, ils ont plus de clés. Ah ouais, c'est ça, Instant Gaming, tu peux avoir... c'est ça, hein, si je me trompe pas. Tu peux avoir des bonnes offres, mais ça dépend là, dans la disponibilité. Mm. En vrai, je devrais peut-être en profiter pour prendre Bloodstained, parce qu'il était à 50%. Et ça, c'était il y a plusieurs jours, et je me suis dit, ah, j'attends d'être payé. Donc maintenant que j'ai été payé, ben... Pas de jar, non, ça va. Alors, ce build, ça va être n'importe Nawak, parce que... À part Zeus, j'ai rien visé de particulier. Mais non, revenez là. Revenez là, les petits. Allez, McFly. Allez, Carlito, donnez-moi vos bombes, là. Oui, je sais, je les appelle McFly et Carlito, ceux-là, cherchez pas. Par contre, faut que je pense à pas utiliser mon lancer, hein. Et à utiliser plus ma technique. Parce que comme ça, ça passe carrément bien. Eh, crème. Ori, il y a une petite réduction, je crois, ça t'intéresse. Alors, Ori, le premier, je l'ai déjà. Donc, je vais d'abord jouer au... Enfin, si c'est du 2 dont tu parles. Donc, j'ai déjà le premier. Tiens, d'ailleurs, ouais, je m'étais dit... J'essaierai peut-être demain, si je lance effectivement un stream l'après-midi. Essayer le premier Ori, et si j'accroche, à ce moment-là, je verrai pour... s'il y a des réductions sur le 2, je prendrai le 2 aussi. Mais c'est vrai que Ori, on en a parlé, j'ai vu des streamers, bon je me suis pas trop spoilé, hein, mais je l'ai vu un peu en stream, comme il y a Fantasy qui faisait ça il y a pas très longtemps, et ça avait l'air assez sympa, quoi. Ah, Aphrodite, avec ses vêtements tellement couvrants, tout ça. Oh mon trésor, tu n'imagines pas à quel point j'ai adoré te rendre visite. Tant de choses nouvelles à regarder, à entendre et à sentir. Oh, c'était merveilleux. J'ai aussi cru comprendre que tu avais des nouvelles responsabilités très importantes. Ça t'ennuie si je continue de t'accorder mes faveurs de temps en temps? J'adore Aphrodite. Cool, tu vas peut-être me décider à l'acheter alors. Pour Ori? Bah écoute, ouais, et puis moi, faudrait que je me dise, bah ouais, comme dit, que je me décide à jouer. En vrai, c'est pas que j'ai pas envie d'y jouer. C'est juste que faire plus de 2 jeux différents sur un stream où normalement j'ai que 3 séances par semaine, ça fait un peu fouillis, quoi. Du coup, je faisais que Hades et Hollow Knight. Mais là, comme j'ai 2 semaines où je peux caser des streams en plus. Les jeux indépendants, ils ont pas souvent de clés, c'est chiant. Ah ouais, ben j'imagine aussi que... Enfin, en espérant que les clés soient legit, hein, qu'elles soient obtenues de la part des studios qui développent et distribuent ces jeux.
c'est pas Instant Gaming que j'ai, ce duquel j'avais entendu parler. Il y en avait un qui était un petit peu... pas forcément super cool à ce niveau-là, mais c'était pas Instant Gaming, c'était autre chose. J'ai quelque chose, GA. Ah, je sais plus. Mais ouais, en même temps, pour les, tout ce qui est les jeux indépendants, j'imagine qu'ils peuvent pas se permettre non plus de balancer plein de clés à moitié prix ou à bas prix. Donc, c'est peut-être normal. Coucou Azayla, comment ça va? Ouais, j'ai pas joué à Hades depuis 10 jours, ça va être l'horreur. je sais pas du tout, j'ai aucune idée de build avec ça en vrai. J'ai juste du Zeus sur la technique, c'est tout ce que je sais. J'aurais dû me renseigner. J'ai fait autre chose cet après-midi, évidemment. Je commence à faire de la vidéo, donc bien sûr, là, j'ai rien fait. Ça peut être sympa. Voilà. L'histoire du marché gris, le problème, c'est ça. Et je me souviens plus, le site en question, on m'avait dit, ils sont assez gris, voire très très gris parfois. Et c'est pas Instant Gaming, c'était autre chose, j'ai quelque chose. Mais j'arrive pas à me rappeler, quoi, j'arrive pas à me rappeler. Il faut qu'elle fasse là-dessus, profite juste d'y retourner sur Hades. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, pour les prochains streams Hades, il faut que je me renseigne sur des builds, parce que là je vais faire un peu Nawak. Bon, en vrai, je fais Nawak tout le temps, quoi. C'est... Mais j'aimerais bien apprendre à mieux utiliser le bouclier, parce que je pense que ça peut être un très bon compromis entre le CAC et la distance. Et comme le CAC, justement, c'est pas terrible quand on monte en température, je trouve. Genre, l'hydre au point, avec plus de 12-13 de température, quoi, avec la lave et tout. Le problème, ils donnent pas souvent, surtout réussir à trouver Hades à moins de 1€ pour être rentable, c'est bizarre pour les sites qui les vendent. Ouais. Moi, je l'avais eu, alors en même temps, Hades, je l'ai acheté un mois après sa sortie, je l'avais eu avec 20% de réduction sur Steam. Donc, c'était pas dégueu, quoi. Est-ce que je reprends un peu d'essence vitale? Non, ça va, je peux tenir. J'ai pas de poisson, y'a pas de poisson qui traîne. Ok. Y'a pas de jar non plus. Oui, en vrai, je veux pas dire, mais les améthystes et les clés... Ouah, ça c'est de la récompense, ouah. Allez. On va tout faire dans la délicatesse. Pas du tout. C'est vrai que c'est très différent au niveau du gameplay de Hollow Knight. Ou Hollow Knight, ouais, techniquement on se bat, mais en même temps... Faut être assez subtil quand même. Ah, j'ai pas regardé s'il y a des jars, tant pis. De toute façon, en vrai, quand il y a des jars, vous les voyez que quand il est trop tard. Venez là, les sorcières, je ne sais plus ce que vous êtes. Ouais, je pense que je vais regarder après le stream, je regarde pour Bloodstained. S'il est effectivement à 50% sur Instant Gaming, je me le prends. Parce que... Je pense qu'après Hollow Knight, je devrais pas trop avoir de problème avec un Castlevania-like. Enfin, j'espère. Enfin, avec un Metroidvania en général. Je sais pas. une intuition, on va dire. Pourquoi tu dis Bloodstained, Ritual of the Night, celui-là? Attends, je vais te l'écrire ici. Bloodstained... Voilà, j'espère que je l'ai bien écrit. Qui fait très inspiré de Castlevania. Hein. Enfin, c'est du genre, on pouvait pas faire Castlevania parce qu'on avait pas la licence, alors on a fait autre chose, mais bon, on sent l'inspi. Mais bon, moi je dis, si le jeu est bon, pff, je m'en fous. Non mais c'est quoi ça? C'est le syndicat de... c'est quoi ce truc? Je suis tombée sur la réunion des anciens élèves, c'est ça? D'accord, bah ils ont l'air de s'amuser et tout. Voilà, j'ai craché leur réunion. Titelou, salut Naofei, je suis nouveau. Dead Game 23, mon meilleur ami m'a parlé de toi. J'ai vu une de tes rediffs et c'était ultra cool, donc je voulais revenir plus souvent. Bah bonjour. Ah ben bah, oui, là, Titelou, ben bonjour, bienvenue ici. J'ai vu que t'avais follow, donc merci pour ton follow. Et effectivement, Dead Game 23 avait dit hier qu'il y a un de ses copains et tout qui voudrait passer sur le stream. Donc du coup, je savais pas si tu allais passer hier, je sais pas qui c'était, mais il avait parlé de Titelou. Alors, je sais pas comment je prononce ton pseudo Titelou, ou Titiolou, ou Titizerolou. Là, tel quel, j'aurais tendance à dire Titelou, mais si c'est pas ça, t'hésites pas à me corriger. Hein.
Tu vas manger, tu re après, pas de soucis, Shadow Wonder. Bon appétit. Oh là là. Alors, moi, évidemment, au niveau bouffe, hein, j'ai encore fait le truc qu'il fallait pas. Parce que la semaine dernière, il faisait froid, il pleuvait, il faisait dégueulasse. Alors, je me suis dit, ah, je vais me commander du fromage à raclette et tout. Je vais me faire 2-3 petites raclettes et tout, tranquille. Puis alors, maintenant, il fait genre 25 degrés cette semaine. Pff, donc, la raclette, ça le fait moins, quoi. Titilous, c'est ta chaîne YouTube. Ah, ok. Ok, ok. Bah, écoute, c'est le nom de ta chaîne. Comme ça, je pourrais aller regarder, bah, taper dans YouTube. Élan foudroyant, on va prendre ça. Bon bah écoutez, je suis partie sur du Zeus Aphrodite, j'ai l'impression. Hein, donc ouais, maintenant, cette semaine, je suis en train d'écluser ma raclette alors que j'ai plus envie de bouffer de la salade, mais passons. J'ai toujours été très nulle niveau timing dans à peu près tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Ouais, si j'arrive à mieux maîtriser cette technique au bouclier, ça va le faire. Titilou, je suis jeune. Bah du coup, il avait dit, Dead Game avait dit, va jouer avec un pote à Apex. C'est du coup, c'est toi qui joues avec lui ou pas? Ça, on va prendre celui-là. Oui, ok, d'accord. Moi, j'ai jamais joué à Apex. Je suis pas trop dans les Battle Royale en général, mais... J'en ai entendu de bonnes choses, hein, donc c'est pas... ah bah tiens. Caron, t'attends pas des vidéos de ouf, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on le fasse, les vidéos de ouf elles viennent avec la pratique, hein. C'est moi mes vidéos elles sont pas non plus, c'est pas non plus les meilleures. Hein. Ouais, le seul truc qui me sauve au niveau des vidéos je pense, c'est parce que j'ai fait des vidéos, des animés musique vidéo il y a une vingtaine d'années. Donc en fait ça m'a appris pas mal de choses niveau montage et du coup j'ai encore, des beaux restes on va dire. C'est pas évident, hein, c'est pas évident de faire de la vidéo, c'est... Alors sinon vous allez rire, je me suis inscrite sur TikTok. En vrai j'ai rien mis dessus, c'était juste, je me suis dit comme ça je prends le pseudo, je suis tranquille. Mais je me disais, je sais pas, si un jour je mets des trucs sur TikTok, je sais pas quoi, mais bon, on va voir. Là c'est vraiment plus du je vais prendre le pseudo avant que quelqu'un d'autre ne le prenne, genre dans 15 ans quoi. Ah, alors j'ai qui aujourd'hui? C'est Alecto. Ah, avec des petites fleurs, dit-elle avec son air cruel. Elle aussi, ça serait vachement sympa de se faire un petit cosplay à Alecto. Ah bah alors, ma grande. Ah oui, non, mais c'est Tisiphone là qui commence à m'embêter. Et j'avais dit, il me faut du 100 titan. Il m'en faudra 3 à l'occasion pour débloquer l'aspect de Beowulf sur le bouclier. Tu remplaces Dead Game pour le chat, ok. Bah en tout cas ouais, j'espère que ça te plaira, donc je ne sais pas quelle rediff tu avais vu. J'espère en tout cas que tu t'es pas tapé les 6h30 de rediff du Palais Blanc, parce que ça doit être douloureux quoi. J'ai pas encore osé le sentier de la souffrance, ou des souffrances, je ne sais plus. Aïe aïe aïe, là aussi je souffre. Peut-être pas lancer mon lancer, même s'il est tout pourri. Je vais manger, améliore-toi et avance dans le jeu. Ouais. Bah bon appétit. Mangez bien tous ceux qui sont... bah allez manger. Moi j'ai mangé avant le stream, ça fait un peu tôt, mais c'est pas grave. Allez, vire-moi ton invincibilité, c'est parfait. J'avoue, quand il y en a plus qu'une, des fois je sais pas trop où elles sont, genre là. Power up. Ah mais elle a encore mes émolites, elle. Trop chronophage, TikTok, un clavetta sur YouTube et tu sens ton âme se faire aspirer. Ouais, ben en vrai, Azayla, je te dis, c'est vraiment juste pour que moi j'ai le pseudo quoi et que personne d'autre ne l'ait. Là, ce niveau-là, c'est y a vraiment rien de plus à y chercher quoi. Aïe, non, pas dans ce sens. Ça me perturbe de changer de manette à chaque fois. En vrai, c'est... Je sais pas pourquoi mon autre manette est pas reconnue, mais casse-toi quoi. Tire-toi, elle est où elle? Même si techniquement le bouclier c'est pas mal contre les Erini. Ah mais je vois pas ces trucs là. C'est Beyblade là qu'elle m'envoie. On va essayer de pas se faire
Ah, ah, ça pique. Celui-là, il est un peu piqué, j'avoue. Je vois que dalle. J'aurais peut-être dû fermer mon volet un peu plus aussi, ça aurait aidé. Aïe, ok. Ouais, ça se voit que j'ai pas joué correctement depuis un moment. Hein. Bon, c'est pas le pire. Mais ça me fait mal au fion de perdre un refus de la mort sur les Irini quand même. Hein. Je vois que dalle. En vrai, celle où j'ai le plus de mal, ça reste Alecto quand même. C'est... Mégère, ça va. Tisiphone, bizarrement, ça va. C'est... Enfin, bizarrement, je ne sais pas. Bon, bah dommage pour le refus de la mort, mais c'est pas trop catastrophique. De toute façon, faut être honnête, on peut... pas vraiment... Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ouais, en montant en température, c'est un peu difficile de pas prendre les mesures d'urgence, pour être honnête. Parce que ça fait des points de température qui montent vite, on va dire. Tu sais, je suis partie sur un Zeus Aphrodite, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je parie qu'il y a un baiser du Styx. Ah, ça va, ça va. C'est pas aussi frustrant que ça aurait pu l'être. Attendez, je vais quand même descendre le volet du coup. Voilà. En vrai, pour l'instant, je garde la fenêtre fermée pour pas qu'il y ait les bruits du dehors qui se fassent entendre sur le stream, mais je pense qu'à un moment donné, quand il fera plus chaud, il va quand même falloir que je l'ouvre, hein, parce que... Sinon, je vais... Sinon, je vais un peu crever ici. Oh, bonjour, vous. Pourquoi j'ai pas pensé à utiliser ma technique sur Alecto? J'étais trop focalisée sur paré, en fait. Mais je suis très conne. Mais je me déteste des fois, en vrai. Hein. Sérieux? C'est... Mais non, viens là. Viens là. Ah bon, ça va, c'était pas nombreux. J'étais tranquille. Bon. Ben maintenant, je peux trouver un baiser du stick, ce serait bien. Ah, un cœur ou un marteau. Bon, bah forcément, ça va être le marteau. Hein. Je suis à moins de 150 PV sur Asphodel. C'est pas cool, hein. C'est pas terrible niveau rendement. Ah oui, c'est vrai que la visée assistée du lancer, elle est pas terrible. Enfin, pas quand il n'y a rien sur le lancer. Viens dès là. Aïe. Ok, alors. On a droit à quoi encore maintenant? Bah, plein d'autres squelettes bleus, yay, je les aime trop, comme c'est cool. Merci tonton Zeus pour ton élan en tout cas, pour ça m'aide bien. Allez. Oh bah ça va, finalement, c'était vite fini. Charge destructrice, garde féroce, retour explosif. Alors qu'est-ce qui peut être sympa? Ça peut être cool pour les amis en armure, y a pas à dire. Je pars une attaque. Ouais. Je vais prendre la charge, mais en vrai, les trois sont sympas. Caron. Je vais pas déjà aller chez Caron maintenant. Il aura pas ce que je veux. Parce que moi, c'est un baiser du Styx que je veux. Bon, ben. Si j'avais 350 balles, je serais allé chez Caron. Mais là, faut que j'en garde 200 au cas où. Donc, tant pis. Ah mais ça fait trop bizarre quand je joue pas à Hades pendant longtemps, fou, je le sens passer. C'est dommage hein, parce que si j'avais plus de temps pour jouer à tous mes jeux, ce serait cool. Je vous fais une confession, en vrai j'ai fait un peu de Hollow Knight en fin de matinée pour enfin pas filmer mais pour enregistrer. Parce que comme dit j'ai eu une petite idée de vidéo musicale qui inclurait également les, je vais appeler ça les cinématiques du jeu. Mais bon, le souci, c'est que je peux pas prendre les rediffs du stream vu qu'il y a ma gueule dessus. Donc, je suis un petit peu obligée de le refaire quelque part. Mais je sais pas combien de temps ça va me prendre parce que... Ah, je sais pas.
Donc ce que je ferais, j'irai peut-être me choper à l'occasion un fichier genre sur YouTube avec les cinématiques si j'en trouve un de bonne qualité. Et uniquement quand j'aurai moi-même fait les fins qui me manquent, hein, parce que au moins les, on va dire les fins 2 et 3. Gemstones. Puisque là, on, j'ai eu, je vais appeler ça la fin 1. Colonne d'or des gemmes. Ça va, des gemmes, j'en ai 1400, j'en ai pas besoin. J'avais dit que je prenais du afro. Bon, bah toujours pas de baiser du Styx. Hein. Le cœur de centaure me fait défaut, ça c'est dommage. Oh, la barge de la mort. J'aime bien cet endroit. C'est un peu le bordel à chaque fois, mais... Allez. Ah oui, donc... Ah ben, moi je cherchais le gros cristal en armure, mais en fait non. Puisque je n'ai pas mis les cadres intermédiaires, ou je sais plus comment ça s'appelle. Allez. Viendez les cristaux, venez que je vous rince. Et alors, Azayla, si t'es encore là... Alors moi je disais, tout en début de stream, quand je suis arrivée, que... Bah donc voilà, comme je faisais un peu de online cet après-midi, donc j'ai recommencé le début du jeu, hein, forcément. Et bon, mon skill est pas terrible, hein, évidemment, mais il y a quand même de la progression, parce que je suis repassée dans le jeu, là, aux routes oubliées, à l'endroit où il y avait ces plateformes avec des pics, et au bout, il y a une chenille. Et en fait, là, j'ai rebondi sur les pics, mais comme ça, quoi, aucun problème. Coucou Terraclo, comment ça va chez toi? Tu viens me voir pour me prendre des gamelles à Hades parce que j'ai pas joué depuis 10 jours et que c'est sur quel bouton que j'appuie déjà? Est-ce que je prendrais pas le soutien d'Aphrodite? Ou l'attaque? À prendre le soutien, je le prends jamais. Il peut être très très sympa. Au début, je l'aimais pas, le soutien d'Aphrodite, et puis en fait... Bon, écoute, toi, ça va, moi, je suis en vacances là pendant 2 semaines. Tranquille. 2 semaines glorieuses à rien foutre. Enfin si, je vais quand même faire des trucs style un peu artistique, hein, on est d'accord, j'ai pas passé 2 semaines à ne rien faire littéralement de mes 10 doigts. Mais ça fait du bien pour une fois que j'ai pas des examens à réviser, du boulot à faire, des trucs comme ça. Ça change. Mais elles sont où ces hydres? Bah venez. Mais les hydrons là, allez, pointez-vous. Bon, je vais attendre qu'ils viennent, c'est plus simple. Évidemment, les chercher, ça marche pas bien. Oh! Des méduses de leur mort! Ah, cassez-vous, saloperie. Je déteste les gorgones. Enfin, des méduses, des gorgones. Bon, on va récupérer ça. Non, mais tu vas où, toi? Oui, me prendre le truc de la gorgone, le truc pétrifiant, alors que je suis dans une flaque de lave, c'est... Bravo, ça c'est la meilleure technique. Y a pas à dire. Ça dit, tiens, prends-en un et file. Quoi? Ah, ok. On va prendre celui-là, mais le service rapide, il sera bien aussi. Alors, bon bah, essence vitale. Toujours pas de baiser du Styx. Tant pis. Je suis tristesse. Ben, on va aller voir ce qu'il y a là, hein. Une clé des gemmes, waouh. Ah, je suis trop contente. Mais genre, mais grave trop contente, quoi. Alors, ouais. Ah, et sinon, ouais, alors Azayla, je pense que toi, bah, demain après-midi, eh ben, tu bosses, donc tu pourras pas venir, mais je vais peut-être essayer de faire du Ori demain. Pour tester. Donc le premier, pas le 2, hein. Alors, viens là. C'est vrai que streamer l'après-midi, c'est sympa parce que je suis bien en forme. Mais bah bien sûr, il y a moins de gens dispo. Et un jour où je serai pas en forme, j'essaierai le sentier des souffrances juste parce que... Va falloir que j'y aille, il faut que je fasse à manger, bonne soirée et bonne reprise. Eh bien, bon appétit et bon... Bah bonne cuisine et bon appétit, bon repas à toi, Azayla. Peut-être à tout à l'heure si t'as l'occasion de repasser, et puis sinon, bah, moi de toute façon,
Mes prouesses à Hades resteront sur Twitch pour la postérité pendant 60 jours. Hein. Lol. Qui c'est qui a mis des gorgones dans ce jeu là? Allez mourir hein. Ah là là. Je déteste ces trucs. Je suis pas très doux. Je suis faible face aux gorgones. En fait, je suis faible par rapport à tout. Bah là, il y a un cœur et puis là, il y a Caron. Bah tant pis, je vais prendre du cœur parce que... Voilà. On va prendre le risque que ce soit pas l'avant-dernière salle. Bah bien sûr que si, ça l'est. C'est moi ou j'ai entendu un bruit de poisson? Ah non. Bon. Bon. Bah écoutez, je suis pas au max pour l'hydre, mais tant pis. Hein. Je sais plus si j'ai mis des mesures d'urgence sur l'hydre. Ah. La réponse est oui. Et j'ai toujours rien sur le lancer. Quel daube. Va falloir que je la poutre à la technique, elle, je pense. Ça pourrait être sympa. Ah, ok. Je vais droit aux têtes. Ah! Bah, je vais arriver à esquiver les tirs. Wow, jusqu'à présent, ça se passe pas trop mal. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. C'est lequel? C'est celle-là qu'il faut que je fasse. Ok, ouais, la technique, elle marche pas mal. Je voudrais quand même éviter de reperdre un refus de la mort sur ça, mais bon... Ok. Oh ouais, ça le fait pas mal. L'appel d'Aphrodite, on va le garder pour tout à l'heure. Hein. Surtout que le PT, quand elle fait son invulnérabilité, c'est un peu débile. Mais il est prêt, il est bien chaud, il est prêt à être lancé, ouais. Aphrodite qui est bien chaude, mais lol quoi. Allez. Juste que j'évite de trop marcher dans la lave et ça devrait le faire. Je sais pas si utiliser la technique c'est forcément le mieux sur ce terrain, mais... Aïe, pas la lave, pas la lave. Yes! Vire-moi ton bouclier, toi. Yes! Il est sympa l'appel d'Aphrodite aussi. Ouais, elle a pas le temps d'être charmée, l'hydre, mais... Sortir de la lave, vite. Je sais plus où j'étais arrivée avec température 4 au niveau du bouclier. Donc bah ici je l'avais déjà fait, j'ai pas fini la run. Bah ouais, je sais plus du tout. Non en vrai ça va, ça s'est pas trop mal passé. Vous croyez que j'ai trouvé un baiser du stick sans ce truc? That's it for us, Fidel. Ça serait cool là. Les sous-titres qui ont traduit ça par un baiser du style. Mais lol. Alors, bon, on va reprendre un cœur. Hein, parce que en vrai, 188 sur Elysium, c'est bouf. Ah, il y avait je sais plus qui, BSK, je crois, qui s'amusait à faire des runs avec des petits défis du genre... essayer d'arriver à Hades en ayant 600 points de vie ou un truc comme ça. Ça pourrait être fun à essayer aussi. Genre en combinant bien, voilà, du Aphrodite, du Dionysos, des choses comme ça. Shadow Wonder, bonjour. J'espère que tu as bien mangé. Allez les chars, cassez-vous. Ah bah ça va. C'était vite vu. C'était vite vu ça. Ben t'as loupé, j'ai perdu une vie sur les Irini, mais sans plus. Donc ça va pour l'instant. Je reprends la main tout doucement sur le jeu. Parce que malheureusement, on la perd très très vite. Bon, ça va, j'ai pas mal de pognon quand même. Donc je vais prendre la grenade. Ah, comment les aligner.
Et je suis vraiment curieuse de tester également l'aspect de Beowulf. Parce que rien qu'avec un nom pareil, ça peut que être bien. Enfin, j'espère. Je suis une grande fan de Beowulf. Hein, donc, j'ai même essayé de le lire en vieil anglais. Bon, alors, spoiler, c'est... j'ai dû prendre une traduction parce que sinon, c'est juste pas possible. Mais c'est très intéressant. Allez, viens là, toi. Il y en a encore beaucoup. Oui, il y en a encore beaucoup, bien sûr qu'il y en a encore beaucoup. Ah, il y a un char qui me court après, j'ai peur, maman. Ouais, c'est vrai qu'en jouant plus sur la technique avec cet aspect du bouclier, franchement, c'est beaucoup plus sympa. Hein. Ouh, mais c'est moi ou il était surboosté, lui? J'étais un peu énervé. Ah ouais, hein. Voilà, élan foudroyant, dernier soupir, pression hydraulique, on va prendre l'élan. Ouais. Ah du coup, Azela, elle est aussi allée faire la cuisine. Bon, on va aller chez Patrocle, on va lui prendre un baiser du Styx suprême de luxe machin. En vrai, Achille, il est tout le temps fourré chez Patrocle, mais tout le temps quoi. C'est plus genre une fois sur trois quoi. Ça m'amuse. Base du Styx Prestige, pas de luxe, pardon. C'est un peu dommage, mais bon. J'ai toujours rien sur le lancer, peut-être que je remédie à ça. Voilà. On va y aller tranquillou sur eux parce qu'ils sont agaçants. Hein. J'ai dit que j'y allais tranquille, pourquoi je fais de la merde? Hein? Ah, je déteste les chars. Oui, je sais, j'ai dit ça des Gorgones aussi. Je dis ça de à peu près tout sur Hades. Je l'ai eu? Bien sûr que non. Ah, j'étais coincé dans l'eau. Mais ça va. Je crois que j'ai pas pris de dommage. Allez, le bouclier, viens là. Viens bousiller les gros chars, là. L'élan de Zeus, il est sympa, hein. C'est... ça fait beaucoup de trucs à l'écran, mais c'est très sympa. Ah, écrasé entre le bouclier et le mur. Vous avez vu ça, le pauvre. Je parlais du char. Les éclairs derrière toi, je pensais qu'il fallait les esquiver, mais derrière, mais elle est trop forte, là, non. Non, 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 c'est un bienfait de Zeus. C'est chaque fois que je m'élance, ça fait tomber un éclair. Ouais, ouais. Ah oui, non mais attends, tu me vois moi esquiver comme ça des éclairs. Je suis déjà même pas foutu de rebondir sur une plateforme correctement ou autre. Mais en vrai, ouais, c'est... je t'avouerais que moi, la première fois que j'ai joué ces trucs, j'avais pas fait gaffe que c'était ça. Je pensais aussi que c'était des éclairs qui m'attaquaient. Hein. Je me disais, ah, je les esquive chaque fois que je m'élance, j'arrive à les esquiver. Puis en fait, ah mais non, c'est pour m'aider, d'accord. Allez, on repart sur du Aphrodite. Et ouais. Prochain stream Hades, je me renseignerai un petit peu quand même sur des... Je partirai sur un build, on va dire à projet déjà. Voilà. Plutôt que d'y aller en mode YOLO touriste. Ouais, c'est bien. Explose là-dedans. Ce sera cool. Est-ce que j'ai quelque chose sur la frappe? Moi, je crois pas, hein. Si. Non, j'ai rien sur la frappe. Ouais, petits allers-retours. On parie combien que dans le bassin de Caron, là, il y a un baiser du Styx qui se cache? Juste histoire de me faire regretter d'avoir pris celui chez Patrocle, là. Ah, ça c'est beau comme ça. Les aligner sur l'attaque. C'est très marrant comme technique. Y a pas à dire. Technique de la brochette. Ah, je me suis pris un coup, je ne sais pas de qui. Mais... je sais pas qui c'est qui va toucher, mais elle va toucher quelqu'un. Qu'est-ce? Non, j'ai cru comprendre que demain tu streams, c'est ça. Bah l'après-midi je me tâte, ouais, j'ai très envie de faire quelque chose. Je me demandais si j'essaierais pas Ori pour voir. Après, ça veut pas forcément dire que je vais le streamer. Mais, enfin, de façon régulière, mais déjà pour tester, parce que je sais qu'il est finissable en une vingtaine d'heures.
Alors que bon, quand je vois Hades ou Hollow Knight, oui, là, effectivement, je prends un petit peu plus de temps. On va prendre son lancer. J'ai jamais pris le lancer d'Aphrodite. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, on va prendre le Hydracola. Je voudrais bien du Hydracola en vrai, mais... Ce serait plus... avec de la vraie énergie, de la vraie santé, là, dès que tu le vois. Peut-être que j'aille me battre, là. Ça pourrait être cool, hein. Ah oui, c'est le bordel. C'est vrai que je pourrais parer aussi avec le bouclier, mais je suis pas multitâche. Alors, bon, en même temps, l'hydrocola, ça aidera. Bonsoir, je trouve qu'il y a un truc bizarre sur ce stream. C'est-à-dire, ça manque de Pandarou? Ou ça manque d'Azela qui allait faire à manger? Ah, tu as un visage et pas un amas de pixels. Oh, cela voudrait-il dire que le technicien est passé? Enfin? Sinon, FPS genre CSGO, Valorant, Warzone, etc., ça te dit pas? Les FPS, honnêtement, c'est pas mon truc. C'est pas plus que ça, quoi. Bon allez, on va faire ça. T'as la fibre, yes. On va prendre Zeus. Électricité statique, ciel trouble. Ah bah voilà, ça ira bien avec l'appel. Ça fait plaisir de tester les limites de la belle relation que nous avons nouée. Très bien, je vous confirme que vous les testez. Aphrodite, elle est pas contente. Tu lui as fait faux bond avec tonton Zeus. C'est vu ça. Alors du coup, elle a le seum. Il est où le petit cœur? Ah, il est là. Faut que j'esquive le petit cœur. Parce que lui, il va m'exposer à la figure. Il est où? Ah! Je l'ai pas vu apparaître. En plus, j'ai le lancer d'Aphrodite. Je sais pas si ça va changer quelque chose par rapport à... au fait qu'elle est vénère contre moi, mais... ah ouais, je crois qu'ils sont charmés en plus, les ennemis, ou un délire comme ça. Ah, pas du bon côté. C'est un an que tu m'appelles. Le pire, c'est que ça marche, hein. La déesse, elle est vénère contre toi, mais tu peux utiliser son appel, c'est bien. Après 2 semaines de 4G, oui, en plus, la 4G avec le stream en 160p, je veux pas dire, mais bon. Je comprends la souffrance. Ah bah ouais, du coup, c'était effectivement le stream souffrance pour toi aussi. Eh bien, j'espère que tu en profites au maximum, Chuba. Allez, file-moi ton bienfait. Ok, je vais le prendre celui-là parce que c'est le dernier qui manque pour sa prophétie. Je sais pas s'il est bien. Ok. Voilà, comme ça je peux gratter des bouts là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, des obsidiennes, ouais, bon, sont plus. Pas motivés. Mais ouais, Chuba, tu vas voir la fibre. Ça change la vie. Alors, est-ce qu'on a... Yes, on a ça. On a des cœurs. Parce que les cœurs, c'est cool vu que j'ai le bienfait d'Aphrodite qui me permet de gratter plus de PV avec. Bah on va prendre ça encore. Hein. Vide intérieur, douce reddition. Ah, l'élan est bien aussi, quoi. Ah, il est héroïque. Hein. L'autre, il était que... Oh, il est pas légendaire, ça. Et du coup, je peux pas trop comparer avec celui de Zeus. Je sais plus combien il faisait, celui de Zeus. Tout en appliquant. On va switcher. Ouah, je fais des paillettes roses maintenant quand je cours. Vous avez vu, c'est trop beau. Ah zut, en plus j'étais déjà arrivé là et j'ai dû les battre. Gentlemen. Monsieur. Ah ouais, ça fait bizarre quand ils sont pas... Mais non. Quand ils sont pas en armure de chevalier d'or du taureau, là. Ah! Ouais, j'avais oublié, il faut pas qu'ils restent ensemble. Sinon, ils me font leur fusion!
J'ai assez rarement eu l'occasion de le voir, leur strike en commun, là. Est-ce que je vais arriver à charmer Minotaur? Ça serait très fun. Bon, par contre, ouais, le lancer d'Aphrodite, il vise pas, hein. On est d'accord que j'ai bien la visée assistée, quoi. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quelque chose strike, mais j'ai pas fait gaffe au nom que ça a. Allez, taureau, viens là. Comment ça, tu peux pas? Mais si, tu peux. Ah si, tu peux. Oh non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de te faire face, Thésée, parce que t'es... Pour l'instant, je m'occupe de ton grand copain. J'avais dit qu'il fallait que j'utilise la technique. Ça serait bien. Qui t'a enseigné une technique aussi lamentable. Alors Thésée, comment dire? Tu n'as pas vu ma technique de hier pour vaincre le champion raté à Hollow Knight. Je t'assure qu'en matière de technique lamentable, c'est... J'ai jamais fait aussi lamentable que ça. Mais ça marche. 16h, je quitte Discord et comme un con, j'y retourne pas. Ah, j'ai 467 notifs. Aïe. Quoi? Ah, ben désolé, Shadow Wonder, c'est encore... C'est encore visiblement Wisebot qui a fait du zèle. Je ne sais pas pourquoi. T'as dit faut pas spammer des symboles. T'as mis quoi? T'as mis des emojis ou des trucs comme ça? Non, te rapproche pas de Thésée. Allez, Astérion. Fusion! Ah, j'ai encore une charge sur le gland. J'ai plus de charge sur le gland, zut. Viens là, mon bouclier. Ouais, c'est bien. Ah, il est que à la moitié des points de vie. Mais j'ai pas de DPS, quoi. Des emojis, ouais. Putain, non, mais sérieusement, ouais, j'ai pas de DPS. Ouais, c'est pas terrible, ça. J'ai pas envie d'utiliser mon appel maintenant. Mais en vrai, je n'aurai pas le choix, hein. Normalement, ça devrait tomber sur Minotaur. Je crois qu'il était en train de taper Thésée. Aïe. Ça a piqué un peu. Ils sont trop proches l'un de l'autre. C'est marrant, il me le faisait jamais ce truc. C'est bizarre. Cette frappe à deux, j'entends. Je sais pas d'où ça sort en vrai. Ah, c'est bon, donc Astérion avait l'état affaibli, ça c'était cool. Continue de nous... C'était quoi? De nous encourager, nous battrons jusqu'au bout. Ouais... Bah, il est long ce combat, hein. Oh là là. Regardez-moi ça. Yes! Ça y est. J'ai down Astérion, ça change. Mais... C'est quoi ce lancer minable, hein? Il touche pas ou quoi? Il est super court, d'accord. Ah bah, il a une portée de merde. Il a une portée de merde, ce truc. Je suis pas censée avoir tiré un bienfait qui faisait une portée plus longue. Quoi? Hein? Voilà. Ah ouais, non, j'en ai plus, là. Voilà, viens là, Thésée. Ouais, pile dans mon bouclier, ça c'est cool. Viens dire bonjour à ton bouclier. Et si je pouvais
Yes, j'ai l'appel chargé, ça c'est cool. Je pense pas qu'il va one-shot Taizé, mais... déjouerons chacune de tes intrusions dans l'Elysée. Ah, ça y est, il va me péter son appel. C'est qui cette fois? Voilà, ah ouais, va me charmer Taizé. C'est Athéna ça? C'est pas l'appel d'Athéna? Ouais, je crois, hein. Allez, Tété! Ouais, non, mais en même temps, si je vise pas, ça va pas le faire. Hein. C'est quoi ce truc? C'est moi qui suis nul ou c'est se lancer qui est bizarre hein? Ah bah ouais, maintenant ça lui fait des... ça lui fait de l'invincibilité, forcément. C'est Athéna. Par contre, moi, faut que je l'évite, hein, parce que ça me fait tout sauf de l'invincibilité, on est d'accord. Yes! Ok. Bonjour, ça va? Bah ouais, ça revient, Titi. Ça revient. Un peu des deux. C'est ça, c'est un faux des deux, on est d'accord. J'espère m'être rattrapé de la fois dernière. Ah oui, la fois dernière, je me suis fait poutrer. Parce que j'ai fait de la merde. Ah, c'est calme tout d'un coup. Ah. Bon, je vais quand même reprendre la dentadose pour changer. Faudra que j'essaye avec ça, et puis avec le papillon et le porte-monnaie que j'ai pas monté. Ben tiens, on mettra ça une des prochaines runs, on prendra ça pour changer. J'ai toujours pas utilisé mon compagnon octonien parce que je zappe constamment de l'utiliser. Moi, je regrette un petit peu quand même l'élan de Zeus, hein, c'était plus rigolo, graphiquement parlant. Mais bon. Un jeu de plateforme, quel Hades? Le jeu que je fais maintenant? Parce que non, ça c'est un roguelike. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle comme style, autrement c'est pas de l'isomé... Ouais, de la pseudo 3D, je sais pas. On va récupérer un petit cœur. Voilà, 365 PV. Moi aussi, je veux être un sac à PV, il n'y a pas que les PNJ qui ont le droit. Alors, oh. Ah, c'est là qu'il est là, il est là, mon deuxième marteau. Ok. Première fois que j'ai ça ici. 166 runs, et c'est la première fois qu'il y a un marteau dans une des salles. Ah, le bouclier contre les satyres, ça va être jouissif. Hein. Yeah. Ah, qu'est-ce que j'avais pas dit. Alors, j'ai droit à quoi, des vieux rats dégueulasses. Ouais, quelque chose comme ça. Après, je les ai pas forcément toutes gagnées, hein, on est d'accord. Les toutes premières runs, c'était de la grosse merde, évidemment. Mais j'ai pas mal pensé. Alors, le jeu, c'est Hades, et il est disponible sur PC et sur Switch, il me semble. Hein. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Mais il me semble que c'est PC et Switch. Il est sur Steam en tout cas. Attends. Je vais choper ça. Voilà. C'est celui-là. Il est sur Play aussi, possible. Ouais, parce que moi, comme j'ai tout sur PC. Ah, je mets le lien sur Steam, mais effectivement, si tu as une Switch, bah forcément, ça ne sera pas utile, on est d'accord. Mais ça te permettra de voir un petit peu déjà ce qui est dit sur le jeu, les avis, ce genre de trucs. Quoi. C'est fini? Ah ouais. Il n'y a plus rien. T'es sur Switch, ok. Ouais, bah donc ça va, ce sera dispo dessus. Switch, je suis certaine que c'est dispo. D'autres plateformes, je pourrais pas dire, mais Switch, ouais. Je crois que c'était sorti sur Switch à la base d'ailleurs. Enfin, à la base. C'est sorti en même temps l'an dernier. C'était PC et Switch, quoi. Il n'y a pas eu de sortie décalée. Ah, tu vas faire aussi des lives. Ouh. Ah, bah tu vas voir, c'est très fun. C'est très très rigolo.
Si j'évitais de courir dans les scies, vous en pensez quoi? C'est bien, hein, c'est un métier d'avenir. Allez. Ah oui, il y a des petits rats aussi, ouais, ça faut que je fasse gaffe. Ah, du poison. Alors ça, franchement, le poison, ils auraient pu s'en passer. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais... Non mais oh là! C'est quoi ce désordre? Vous faites du caca partout là, les méchants. Bon, moi aussi je fais du caca, on est d'accord. Alors, eh, franchement, entre les rayons laser, le poison et les mines... non mais ça va là, je vous dérange? Ça va le jeu? J'ai le droit d'exister, hein? Aïe. Ah oui, oui, ouais, des conseils pour le stream, ouais. Alors, c'est je donne des conseils, en fait, c'est ce que moi j'ai appris en streamant. Donc, c'est pas des cours hein, ou quoi que ce soit, mais c'est plus le côté, voilà, voilà ce que j'ai appris qui m'a été utile, je vous en fais part, j'espère que ça peut vous servir aussi. J'ai déjà fait des lives, une personne ne venait voir, alors j'ai arrêté. Ah ouais, bah ça c'est le problème quand tu commences. Ça, c'est vraiment, vraiment le problème. Moi, ce que je te conseille, surtout si tu vises des trucs style affiliation, etc., hein, pour avoir les points de chaîne et tout, c'est ne fais pas trop de live. C'est-à-dire, va pas te mettre, je sais pas, 4 heures de live 6 jours par semaine, parce que ça va, t'auras plus souvent 0 personne que quelqu'un. Mais par contre, fais plutôt, je sais pas, 3 lives de 2 heures, et où tu demandes à 2-3 copains de venir, comme ça t'auras des gens dans le chat, et tu pourras discuter avec eux. Je veux dire, finalement, c'est pas très différent de si toi, tu joues sur ta Switch et eux, ils te regardent. Hein, donc voilà. T'as oublié de parier sur le pognon. Ah ben, je suis pas encore allée trouver le pognon de Chuba, donc... voilà. Sinon, pour ouais, bah, pour les trucs YouTube... Alors, attendez que je te mette ça. Alors, ça, c'est la dernière vidéo en date. Parce que je le mets comme ça dans le stream plutôt que de mettre... Le problème, c'est comme c'est la chaîne YouTube, j'ai pas encore d'URL custom. Donc en fait, c'est une espèce d'URL dégueulasse comme ça. Donc je préfère mettre le lien vers la dernière vidéo tuto que j'ai faite. Mais après, à partir de là, t'as le reste de la chaîne, hein, si ça t'intéresse. Je faisais du let's play au début, mais depuis que je stream, j'ai plus envie, quoi. Donc, alors, j'ai même pas regardé ce que ça faisait, ça. Disque vivifiant. Ah, c'est pas mal, ça. Votre charge tire à la place à projectile perforant. Je vais essayer celui-là. C'est intéressant comme nom, le disque vivifiant, c'est concept, on va dire. Ah, Chuba qui a mis le lien du Discord, merci Chuba. Merci, merci. Discord, faudrait que je sois un petit peu plus active, mais quand vous êtes sur 30 Discord, ça devient difficile. Chuba, il pariait sur le pognon. Bah écoutez, on va aller chercher la moula, ça. De toute façon, ce sera soit là, soit dans la chambre d'Athéna. Hein. S'abonner, est-ce que c'est gratuit ou pas? Pour Twitch ou pour YouTube? Parce que pour Twitch, bah non, c'est les subs, c'est payant. Pour YouTube, l'abonnement, c'est gratuit. C'est... Enfin... L'abonnement, en fait, sur YouTube, c'est l'équivalent du follow sur Twitch. Et au pire, si tu stream, dis-toi que tu le fais parce que ça t'amuse et pas parce que ça amuse les autres. Même si c'est mieux s'il y a des gens pour aimer ce que tu fais, c'est sûr. Follow gratuit sur Twitch, un abonnement payant. Ouais, c'est ça. Donc sur Twitch, le follow c'est gratuit, l'abonnement est payant. Sur YouTube, l'abonnement est gratuit, c'est comme le follow. Et ils ont un truc payant aussi, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas YouTube Premium ou un truc dans le genre hein. Ou soutenir ou... Attendez, je vais juste regarder comment ça s'appelle pour pas vous dire de conneries. À quoi je suis abonné? Quoi je suis abonné, moi? Rejoindre, voilà, merci. Donc rejoindre, c'est le truc payant. De toute façon, c'est simple, hein, si à un moment donné ça te demande ton PayPal, c'est que c'est payant. Bah ouais, juste s'abonner, c'est complètement gratuit. Et ça, c'est ouais, c'est le truc, je crois que c'était différent il y a 2-3 ans encore. Mais là, maintenant, sur YouTube, par exemple, pour avoir votre URL, genre youtube.com/naofae, il faut que j'ai, je crois, 150 abonnements sur la chaîne.
Sur Twitch, il y a plus en plus de streams, moins de spectateurs. Rien que les trois premières catégories Twitch, il n'y avait plus d'amis qui étaient il y a 6 ans. Ouais, et en fait, le truc, c'est que depuis, ben, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont mis au stream. Par contre, maintenant que les gens ressortent, peut-être qu'il y en a qui vont arrêter de streamer. Qui sait. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Après, on est d'accord, il y a streamer pour le plaisir en ayant quelques viewers et streamer dans le but d'en vivre. Ça, c'est carrément difficile. Ça, faut dire ce qui est. Bon, ben, Chuba, malheureusement, je dois t'annoncer que tu as hélas perdu. Ce n'est pas dans la salle du pognon. Par contre, il y a beaucoup de merde dans la salle du pognon, hein, ça, je dis pas. Oh, ils sont... J'allais dire, ils sont bien placés, mais... Ouais, ils étaient bien placés, mais ils sont morts. Lui, il est bien placé. Yeah! Leur faire tomber les pièges dessus, c'est jouissif. ASMR, c'est combien de temps? C'est une bonne question. J'ai mis une récompense à ASMR, d'ailleurs. Je sais plus. Attendez, je finis cette salle et puis je regarde parce que je me souviens même plus de ce que j'ai mis. C'est lamentable. C'est le truc que personne n'utilise. Il y a tout le monde qui garde leur coin pour m'entendre parler en anglais à la place. Voilà. Y'a pas de quoi soigner là-dedans. Ouais, il nous l'a mis à prendre ça. Lui, il y a 5000 points. J'aurais dû préciser. And his name is John C. Faudra que je baisse le son sur cette alerte. Je faisais quoi, moi? Ouais. Je regarde juste si j'avais spécifié une durée, sinon ça va être genre 5 minutes ou un truc comme ça, quoi. Mais... Ça me fera aussi du bien de pas gueuler dans le micro pour changer. Je regarde juste. Hein. Récompense de spectateur. Ouais, effectivement, j'ai pas mis de durée. Bah tenez, on va définir la durée. Vous voulez quoi? 5 minutes? 10 minutes? Alors peut-être pas pendant une heure parce que je vais pas tenir une heure en... Je vais pas tenir une heure en parlant comme ça tout doucement. Mais... Y'a pas d'icône de récompense, ouais bon. Écoutez, je vais mettre 5 minutes pour commencer. Et puis... Voilà, je mets juste à jour l'alerte. Et si c'est un truc hyper populaire et qu'on... 5 minutes max, je pense, après ça doit être lassant. Ok, bah ouais, j'ai mis 5 minutes. Donc voilà, c'est dispo. C'est vrai que après c'est des trucs, j'avais mis... Oh, poisson. Certaines récompenses de chaîne, mais personne s'en sert, alors j'oublie qu'elles sont là. Tiens, même moi, je m'en sers pas. J'ai des streamers, j'ai genre 150 000 points de chaîne. Ça dépend ce que tu fais en ASMR, sinon 5 minutes max. Moi pour l'instant ça, déjà, comme dit, je fais pas beaucoup de trucs comme ça, donc ça va être des, pour l'instant ça va être des trucs simples. On va dire genre ouais, je vais parler à voix basse, façon un peu plus douce. En même temps de l'ASMR sur Hades ou sur le sentier des souffrances à Hollow Knight. Ça serait très très intéressant. Ah, pour ceux qui étaient là dimanche, on m'a dit que... Ouais, alors j'étais pas grossière ou quoi que ce soit. Mais on m'a dit, ouais, on sentait quand même que t'étais bien tendue, qu'il fallait pas te chercher. Et puis tu parlais d'une façon différente, tu utilisais des expressions différentes. Ouais. Ah oui, non, non, pas avec du slime. Non. Ah, oh, non. Non, non. Ça va, quand même. Ouais, voilà, de l'ASMR gentillet, on va dire. Bon bah écoutez, on va attendre que le bouclier fasse son boulot. Hein. J'aurais pu faire un peu attention. J'aurais pu. Après oui, il y a des trucs ASMR qui sont un petit peu chelous quoi. Hier j'étais pas trop étendue mais peut-être un peu fatiguée. Ah pardon, pas hier, dimanche. Ouais, hier j'étais fatiguée parce que dimanche j'ai fait mon stream là de 6h30 sur le Palais Blanc.
Et j'étais lessivée physiquement, hein. C'est waouh. Donc je pense que ouais, il y avait quand même du stress qui ça se sentait quoi. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai peut-être dit hier, hein, mais c'est moi qui me suis plantée, mais ouais, je voulais dire dimanche. Ok, bah donc c'était bien dans la troisième salle. Burk. Sac de satyre. Frappe divine, vous savez que j'ai toujours rien sur la frappe, alors on va prendre ça, hein. On va changer. Bon, bah je vais voir si j'arrive à me poutrer Hadès au bouclier, en espérant que je vais pas oublier d'utiliser la technique. Vengeance céleste. Ah voilà, on va prendre ça. Bah on va prendre Arès parce qu'il me reste rien d'autre. Allez, on va aller sur la pulsion meurtrière. Absolument pas tendu, même tu n'aurais pas eu la force d'être tendu. C'est bonjour, je suis tendu. Je suis flappy, flappy toute molle. Non mais, je pense, mais c'est intéressant les jeux façon, bah voilà les trucs où je suis obligée de tryhard. Parce que déjà je pensais pas que j'étais le genre de personne à faire ça. Pas de soucis Chuba, bah passe une bonne soirée et puis bah bonne soirée à toi. Voilà, merci d'être passé. Ouais, ce que je disais, ouais c'est intéressant le tryhard. Que comme dit, je savais pas que j'allais le faire, enfin que j'allais... que j'étais le genre de personne qui allait tryhard plutôt que de laisser tomber tout de suite. Et puis je crois que j'ai plus tendance à être je chouine, hein, mais je ne rage pas. Donc ça c'est bien. Parce que rager, c'est quand voilà, vous êtes là, vous lancez vos manettes, vous cassez votre matos, c'est pas cool quoi. Puis après vous êtes obligé de faire des sub-goals, je rachète une manette. Allez, 166ème cap de cramé. Vous croyez que je peux charmer papa avec Aphrodite hein? Mais non, mais reste là. Mouais. Ah. On va virer celui-là avant qu'il me foute de la merde. Ouais, Darkness. Yes. Bon, ça va, je fais des petits dégâts. Oh, c'est vrai que j'ai pas de DPS, hein. Au pire. Ça, sur cette run, c'est ce qui va vraiment me manquer. J'ai encore des émolites, ouais, super. Ah bah, heureusement que j'ai le truc d'Aphrodite qui fait plus de portée sur le lancer, hein. Yes. Désolé, j'ai le nez qui me gratte. Promis, je mets pas les doigts dans le nez. Bon ça par contre c'est bien parce que les crânes, la technique elle les pète pas mal. Allez papouna. Bon tant pis on va le laisser exploser. C'est pas le pire qu'aurait pu m'arriver on va dire. Il y a un pote il joue à HR Simulator, je suis plié en deux, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Moi j'ai bien trouvé des simulateurs de dealers de drogue, hein, pourquoi pas, mais... Ah sinon, il y a un jeu, un créatif, il l'a fait en live, il y a un simulateur de dropshipping. Bon, le jeu est nul, hein, les graphismes sont pourris et tout. Non, mais s'il vous plaît, non, ne retournez pas vous battre, hein, je vous assure. Bon. Bah bien entendu elle a pas chopé Hadès, elle a chopé le Mook, hein. Parce que pourquoi pas. Ouais il va être long ce fight, hein. Il va être très long. Non tout va bien papa, tout va bien. Un jeu où tu restes assis je pense. Ah. Ah, j'ai pas vérifié si c'était... Enfin, je suis pas allée vérifier toutes les infos, mais c'était dans The Verge, le journal US. Il y a près de Birmingham. Non! Ah, j'ai pété l'appel au mauvais moment, la nouille. Près de Birmingham, il y a la police britannique, elle a fait une descente.
Il pensait arrêter des gens dans une ferme de cannabis. Parce que il les remarque. Parce que c'est ce genre d'endroit, ce genre d'opération, ça consomme beaucoup d'énergie. Niveau électrique et tout. Et d'autant plus que là, c'était une installation illégale, c'est-à-dire qu'ils siphonnaient le courant, ils payaient pas leurs factures et tout, ils siphonnaient dans une autre entreprise. Et ils se sont rendus compte, en fait, c'était pas une ferme de cannabis, c'était une ferme de bitcoin. Et ça m'a trop éclaté, quoi. Chose qui, en soi, n'est absolument pas illégale, par contre, c'était illégal parce qu'ils payaient pas leurs factures. Un pote qui réplique, joue à Hollow Knight, tu peux t'asseoir sur les bancs, c'est vrai. C'est vrai que tu peux t'asseoir sur les bancs à Hollow Knight. Ils sont très bien les bancs d'ailleurs. Est-ce que je vais perdre ma life? Voilà, allez Aphrodite, voilà. Que j'arrive au moins en phase 2 avec une life complète. Cool. Oh là là. Ah ouais, la technique elle est sympa, mais il faut vraiment bien la maîtriser. Hein. Aïe. Ah, il y avait un crâne qui a explosé, tiens. Aïe. Non, je veux pas rester là. Allez, papou. Aïe. Balancer rayon, ouais, balancer rayon. Aïe! C'est pas ce que je voulais faire. Mais ça va, il m'en reste encore 3 donc. Ça va, j'ai esquivé le crâne? Ouais, super. Faut que je me rappelle qu'il y a un crâne qui va me foncer dessus, qui va lancer ses ondes. Ouais, ça va, j'étais suffisamment loin. Ça allait. Ah, le bouclier, ça peut être pas mal, donc. Comme arme. Ok, je suis à l'abri, parfait. Là, par contre, ouais, c'est un peu... C'est un peu bof, on va dire, comme ça, mais... Combien ils vont lancer d'ondes? Aïe. Bah, forcément, j'allais m'en prendre une, hein, c'était inévitable. Mais c'est... Alors par contre, le lancer d'Aphrodite, beauf, hein. Je suis pas convaincue. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bouclier, c'était trop pipou, quoi. Bon. Ça va le descendre au moins à la moitié. Ouch. Ça va? Ouais, c'est bon. J'en supplie après ce fight de voir les avis Steam de Cher Simulator. Ok. Oh, ça, on se fera une petite pause 5 minutes pour aller voir ça alors. Ça a l'air d'être rigolo. Ça a l'air d'être très très marrant. Ah! Allez papa. Si tu pouvais mourir. Bon, je sais que ce genre de choses en vrai, faut pas le dire hein, évidemment. Ne tuez pas votre père dans la vraie vie, c'est pas cool. Quand ça qu'ils explosent. Bah évidemment je me les suis pris les deux parce que sinon pourquoi pas hein. Faut que je les fasse péter eux avant que les crânes ne pètent. Aïe. Bon, c'est pas dramatique. C'est carrément pas dramatique. J'oublie que je suis que en vient et pas en Hades mesure d'urgence. Quoi ? Je suis plus aussi agile que dans le temps alors que toi. Oui papa, ça s'appelle être vieux et moi je suis jeune. Bravo Hades, tu as compris une vérité de la vie. Ok, je vais peut-être rester sur le bouclier parce que ça peut être pas mal. Par contre, le lancer d'Aphrodite, je suis pas convaincue. Hein. L'appel, ouais, enfin le soutien. Le lancer, non. Alors attention, parce que maintenant, best moment du jeu.
Comment vais-je mourir ? Alors que sa victoire semblait assurée, une faille s'ouvrit sous les pieds du malheureux prince, d'où jaillit un nuage d'eau surchauffée. De la vapeur ! Vous connaissez sûrement la suite. On parlait de Steam, parfait. Donc, Zagreus est mort en marchant sur une bouilloire. Voilà ! C'est dur d'être prince des enfers. Hein. Trouvez pas que c'est dégueulasse ce palais. C'est moi qui ai décoré. C'est moche comme tout. Oh, elle est rentrée, elle. C'est bien passé avec Déméter, avec grand-mère. J'ai encore du mal à penser à elle sous cet angle. C'est amusant, mais je pense qu'elle était si bouleversée de me revoir que quelque chose a enfin changé en elle. J'ai toujours pensé qu'elle était totalement inflexible. Elle m'a demandé si j'avais réellement choisi de venir de mon plein gré, je l'ai rassurée. Non, c'est pas la fin du jeu. Moi, j'ai déjà fini le jeu, en fait. Mais le truc, c'est que chaque fois que t'arrives à la surface, tu meurs d'une façon ou d'une autre. Parce que t'es lié aux enfers, tu peux pas vivre dans le monde des humains, quoi. Je suis soulagée, je sais, grand-mère a peut-être plutôt sévère, mais elle a été très gentille avec moi et très utile aussi. Par contre, désolée, du coup, c'est vrai que ce stream doit être super spoil sur Hadès. Hein. Je pense qu'elle lâchera un peu de l'as pour cette histoire d'hiver éternel à la surface, maintenant qu'elle sait que tu es saine et sauve. Elle m'a dit qu'elle le ferait, la chaleur reviendra à la surface, du moins un certain temps. Probablement selon un calendrier bien précis, la connaissant, et peut-être pas dans les environs de notre domaine. Elle n'est pas du genre à pardonner et à simplement oublier. Ok, j'aurai toujours les trucs de glace de même. Je comprends rien, d'accord. Ouais, donc du coup, c'est tellement avancé dans le jeu que ça peut pas te spoiler. Ok, c'est cool. Oh, j'étais pas inquiet, mais j'étais un peu inquiet quand même. J'ai pas calculé, par contre, est-ce qu'elle est là, genre, toutes les 6 runs et, ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Ouais. Ah, oui, papa, il est pas content des performances de mes gères qui n'arrivent pas à me stopper et à m'empêcher de sortir des enfers. Bon, j'imagine que ce soir, je serai pas au lit avec mes gères. Ah, je dors sur le canapé. Qu'est-ce qu'il vend, lui ? Un sang titan. Oh purée, j'ai pas assez de clés. Combien j'ai de clés ? 8. Bah, on va acheter des clés, hein. I'll take it. More keys for me. Voilà. Et comme ça, je peux aller déverrouiller l'aspect de Beowulf. Ah zut, je suis pas allé parler à tout le monde encore. Je pense qu'ici il y a personne. Cette sculpture est absolument dégueulasse. Heureusement qu'elle est au fond du jardin, là où personne ne la voit jamais. Qu'est-ce qu'elle me raconte, tout ça? D'accord, elle continue de nettoyer. Lui, il a plus rien à me dire. Thanatos, t'es là? Non, Thanatos, c'est pas là. Bon. Je vais juste voir la prophétie, du coup. Et puis après, on ira... Je vois la prophétie, je déverrouille le truc, là. Et puis après, c'était quoi, Chair Simulator, c'est ça? Vous voulez aller jeter un coup d'œil à ce que c'est. Voilà, aspect de Beowulf. Je vais rester sur l'aspect de Zeus, quand même, pour l'instant. Mais au moins, j'ai déverrouillé l'autre. Bon, en vrai, ils sont tous déverrouillés, du coup, hein. Ah ouais, bah j'ai tous les aspects. Alors. T'en dis. Ce qu'on va faire. On va se mettre sur Steam. Ouais, faudra... Attendez, je vais passer ça sur... Juste me loguer. Parce que j'ai pas de source pour Steam spécifiquement, donc je vais le faire dans le navigateur. On va regarder ça, Fissa. Donc, Chair Simulator. Ah, il y a aussi Chair Fucking Simulator. Alors, attendez. On va se mettre en browser. Hein, histoire qu'on rigole, tant qu'à faire.
Fais attention à pas montrer ton adresse mail. Oui, c'est... Bah, en même temps, après, mon adresse mail, c'est celle que j'utilise pour YouTube et tout, donc c'est mon adresse. Ouais. Mais je la montre pas, de toute façon. C'est... Alors, achetez des chaises, asseyez-vous, accumulez des points de... d'asseyage. À travers le tout nouveau système de points. Ouais. Dépensez vos seat points pour de nouvelles chaises. Les possibilités n'ont pas de fin. Oh là là. Ah oui, en plus, c'est des... Est-ce que c'est des vraies marques de chaises? Tu vois, alors, on avait dit quoi? On va jeter un coup d'œil au... Playing with a joystick. Je m'assieds. C'était un mercredi matin, bien tranquille. Je me suis réveillée au son que faisait mon chat, Gary. Ah non, c'est ça. Je me suis réveillée près de mon chat, Gary, qui dormait à mes côtés. Rayon de soleil tombait sur lui à un angle presque parfait. Je repoussais mes draps, je me suis habillée pour ce jour qui m'attendait. À ma grande surprise, le petit déjeuner était déjà fait et m'attendait sur la table. Ce repas était l'un des meilleurs que j'ai mangé. C'est l'un des avis les plus, c'est les avis les plus drôles, ouais. Alors, c'était quoi? Ce repas était l'un des meilleurs que j'ai jamais mangé en bien des années. Combinaison du lait et des Cheerios avait un goût de paradis. Oh là là. Après ce petit déjeuner rafraîchissant, je me suis lavé le visage, je me suis brossé les dents et je suis partie rendre visite à mes grands-parents. Enfin, quelqu'un qui se brosse les dents après avoir mangé, parce que je sais pas si c'est encore le cas, mais moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, les séries américaines et tout qui passaient à la télé, mais ils se levaient, ils se brossaient les dents et après ils allaient bouffer, j'étais là. C'est quoi l'intérêt? Mes grands-parents me saluèrent avec de grands sourires. Pressés d'entendre comment l'année s'était passée pour moi, puisque je ne leur avais pas parlé en plus d'un an. Nous avons parlé pendant une heure, nous avons pris le déjeuner. Et... Alors c'était quoi? Et nous ont planifié leur nouveau jardin. Après avoir passé quelques heures à... Manage a newly established garden. Ouais, après avoir passé quelques heures dans le nouveau jardin, je leur ai dit au revoir, je suis rentrée à la maison. J'avais hâte de passer une soirée ou une nuit relaxante. J'arrivais à la maison, je marchais jusqu'à ma porte. Et... ensuite jusqu'à ma chambre pour regarder mon streamer préféré Ninja. Après qu'il a joué de bons matchs de Fortnite, je suis allée sur le magasin Steam pour chercher des nouveaux jeux. Tout ça pour ce chemin, ouais. Chercher un nouveau jeu auquel jouer. J'ai trouvé Chair Simulator et après avoir vu le nombre incalculable de bonnes reviews, j'ai décidé de le télécharger. Une fois le jeu lancé, j'ai été épatée par les graphismes et la mécanique de jeu. Pendant que j'étais assise, en attendant de gagner de l'argent pour level up. Je sais pas comment on dit level up en français, parce que nous on dit level up aussi forcément. Pour monter de niveau, la bande sonore a béni mes oreilles. Quoi? Soundtrack bless my ears, one of the most entertaining soundtracks I've ever heard. La bande sonore bénit mes oreilles, c'est là des... une des bandes sonores les plus époustouflantes que j'ai jamais entendues. Elle m'aidait à décompresser après cette longue journée et m'a fait me sentir en sécurité et même à l'aise. Mon personnage, 24K Golden, avait toujours une expression familière et amicale, même dans les moments les plus ennuyeux. Parce que je sais pas si c'est... je sais pas. Mais donc, quand même, dans les moments les plus ennuyeux, ils s'en amusaient. J'étais devenue... Il m'obsédait. Son regard m'emplissait de joie. Mes amis essayèrent de me convaincre que mes sentiments étaient trop forts pour un personnage de jeu vidéo. Mais j'ai ignoré leurs commentaires moqueurs. À chaque fois que je pensais à 24K Golden, la fixité à un niveau que je n'arrive pas à décrire.
C'est devenu une obsession malsaine. Je rêvais constamment de lui. Ouais, donc c'est lui, ok. Je ne savais pas quand ces pensées allaient cesser. J'imaginais notre avenir. À quoi ressemblerait notre maison, nos enfants, même le chien de la famille. Je savais que ce n'était pas bien, mais c'était tellement bon, cette fausse réalité que je veux créer. Après un moment, après un certain temps, j'ai fini par acheter la plupart des chaises. Ah oui, dans le jeu, j'imagine. Les choisissais une par une, avec soin. J'en arrivais à un point où il ne resta plus qu'une chaise, la chaise électrique. J'étais curieux à propos de cette chaise, qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, est-ce que je devrais l'acheter? Il faudrait sûrement que je l'achète un jour si je voulais finir le jeu. Les minutes devinrent des heures, les heures devinrent des jours, les jours devinrent des semaines. Je n'arrêtais pas de regarder cette chaise. J'aspirais à avoir le courage de l'acheter. Tout cela était... Ah, ominous, c'est quoi nouveau? Ah, je cherche le mot. Tout cela était plein de présages. Puis je me suis souvenue. Quelque chose que mon aimé me disait toujours dans les moments de besoin. Nous jouons des jeux pleins d'amour, des jeux d'amour pour éviter, pour échapper à la dépression. C'est pourquoi j'aimais tellement cet homme. J'imagine qu'on parle toujours du personnage 24K Golden. Ces mots m'emplissaient de leur présence sainte. Tout devint tellement clair. Je savais ce que je devais faire et comment le faire. Je me précipitais vers mon bureau, mes yeux allant de mon écran à ma souris. Le curseur au-dessus du bouton acheter la chaise, j'hésitais. C'est quoi ça? Agrippant mon oreiller 24K Golden. Je cliquais sur le bouton gauche de la souris. Nerveux, mais excité à l'idée de ce qui m'attendait, je me suis assis sur la chaise sans savoir ce qui allait m'attendre, ce qui m'attendait ensuite. Les moments qui suivirent étaient certainement... Ouais, le moment où ma vie s'acheva. Je regardais mon aimé être tué juste devant mes yeux. C'est difficile de décrire l'immense sentiment de déception, de défaite que je ressentis durant ce moment. Chaque émotion fut drainée de mon corps, me rendant complètement inerte. Je n'avais plus... C'est quoi? Nothing else to live for, no chance. Sans aucune raison de vivre, pas de chaise, pas de 24 golden, pourquoi continuer? Y a-t-il seulement un intérêt à quoi que ce soit? Pourquoi suis-je en vie? Pendant des mois, j'ai réfléchi à cela, seul dans ma chambre. Ma petite fenêtre était la seule chose qui m'apportait un indice quant à l'heure qu'il était. Je décidais que il fallait que ça cesse. Ma vie devait cesser. Je ne pouvais pas vivre ainsi. Et je savais que 24K Colton aurait pensé la même chose. Une fois que je mettrai fin à ma vie, je serai avec mon amour et nous ne serons jamais séparés. Jamais. Voici mon histoire et mes dernières paroles. Au revoir. Ah ouais, d'accord. Bon, elle est un peu longue celle-là, mais j'aime pas trop traduire à la volée, c'est pas évident, mais. D'accord. D'accord. Ah ouais, effectivement. Allez, on va lui mettre un petit pouce parce que franchement, elle est marrante. Bah écoute, alors je vais pas lire toutes les reviews maintenant, mais j'aurais dû mettre un peu de musique, ça fait un peu vide du coup. Mais j'ai bien rigolé. Même si techniquement, oui, bien entendu, tout ce qui est, on parle de suicide, tout ça, c'est pas cool en soi, mais là, cette review, elle est golden. Elle est 24K golden. Ouais, bah écoute, je jetterai un œil à d'autres avis par la suite. C'est vrai que c'est assez fun. C'est assez fun. Je pense que c'est vraiment ces jeux qui sont un peu what the f. Ah, je vais prendre un petit peu à boire parce que, à force de parler. Ouais, on se refait une petite run, hein. Petite run au bouclier, là c'était plutôt pas mal.
que je repars sur Zeus quelque chose. Je vais prendre Zeus en premier, puis après je prendrai genre le sablier ou un truc comme ça. Ça fait quoi le sablier? Ouais, c'est pas terrible. Le châle, j'ai jamais fait. Ah, le châle, j'ai pas fini. On va finir par te voir. Et les gars, aujourd'hui, stream chair simulator. Je serais foutu de le faire, mais pas tout de suite. J'ai quand même trop envie de jouer à Hollow Knight et Hades et tout ça. Je vais mettre un point d'assurance vie. Mais... J'ai toujours le bouclier de Zeus, ouais, ok. Time to break out again. Ah, je vais me faire encore un petit run, là. Mais c'était marrant. Ah, c'est pas mal, la petite pause comme ça, entre deux runs. C'est cool. Plus 500% de dégâts. Ah, prendre charge du Minotaur, je l'avais pas l'autre fois. Donc maintenant, ils ont un petit bouclier en plus. Là, quand il m'a mis là, un petit 3 points de dégâts en loose day, là. Partie, j'aurai peut-être après. Ouais, bah il y a pas de souci. Merci en tout cas pour cette petite pause qui fut fort amusante. Et puis bah moi je vais aller me prendre 21 points de dommage et je suis KO. Bah peut-être à tout à l'heure du coup si je suis encore en stream quand tu reviens. Et puis sinon peut-être à demain ou à vendredi pour le prochain stream. Ou vendredi c'est Hollow Knight, hein, ça c'est sûr. Dans quelles conditions je ne sais pas encore. Sans doute un petit bout de Colisée, mais. Oh, KO a une propale, attention. Ah, celui-là peut être pas mal. Paraspirituel. Avec le bouclier, j'ai pas courir énormément, donc ça devrait le faire. Oh, ah ouais, d'accord. Ah, ah c'est lent. Même le dash, il est lent. C'est vrai qu'on j'ai aucun bienfait pour l'instant, donc ouais, ça va pas être très... Le truc qui reste en place, là, tranquille, genre... C'est bon, mec, tu restes dans le bouclier, ça... Ça te pose pas de problème. Bon. Visiblement non, ça leur pose pas de problème. Alors vivement que cette malédiction, elle finisse, hein, parce que c'est pénible. Ouah, des améthystes et des clés. Ah, je suis trop contente de prendre des améthystes, ça me fait des points de vie. Pendant 3 combats, c'est ça? Ouais. Souvent que c'est que pendant 3 combats. Hein. Allez, les fistes. Bah alors, il explose pas l'autre machin, là? Tu veux pas exploser? Bah voilà. Je savais bien que t'allais exploser. Ah, tranquille. Ah, même chercher des jars, c'est pénible. Allez, plus qu'un fight avec cette merdouille. Et après, j'aurai 48 PV. Ça va être cool. Oula, celui-là, faut que je l'évite. Bon, il aura plus des masses, là. Effectivement. Ah, enfin fini. Essence vitale, non, pour 23 PV, c'est un peu naze. On va reprendre des améthystes. Hein. Enfin, des obsidiennes, pardon. Des petites obsidiennes. Et voir combien de temps je mets pour la run. C'est possible que je fasse pas de troisième run après ça. On verra selon degré de fatigue, parce que... Je suis en congé, mais je suis pas en congé depuis 3 semaines non plus. Mais on verra. On verra à l'usage. Ouh! Bah voilà, je me disais bien que ça manquait un petit peu de people là-dedans. Il y avait pas assez de fist et puis de cochonneries qui venaient me frapper. Il n'y a pas un dernier là? Bah voilà! Je savais que tu te cachais là. En vrai, c'est vrai que pour le délire, 5 minutes de chair simulator, ça pourrait être fun. Maintenant que j'y pense. Comme ça, je peux troller mes viewers avec ça. Pour une petite pause. Ah, par contre, pour une pause, ça pourrait être cool. Pour faire une pause de Hollow Knight, par exemple, quand c'est la grosse merde. Ah, le bouclier, pour lui, ça devrait le faire. Si je merde pas trop...
faut quand même que je me rappelle que faut pas que je le touche, hein. Ils sont trop nombreux. Ils me saoulent. Ah ouais, avec le bouclier, je suis pas passé. Pas passé là. Bon. Allez, on va faire dans le bourrinage parce que là, voilà. C'est vrai que j'ai rien du tout comme bienfait. Toujours pas. C'est toujours un peu moisi. Du coup, vous savez ce que j'ai maintenant Enfin, pas comme réflexe, mais comme attente, que quand je dash, je me prenne pas de dégâts. Mais non, ce n'est pas un dash de l'ombre. Ouais, bon, Zeus, il me dit rien vraiment de nouveau. Ah, le lancer aurait été bien aussi. Bon, tant pis. Je peux pas tout avoir. Là, par contre, ce serait bien de me trouver des petits trucs qui me refont des PV. Hein. Bah alors. Ah bah voilà. Ah il y a encore des cochonneries là. Où est-ce qu'il est le dernier? Où est-ce qu'il se cache? Ah. Où est-ce qu'il... Oh, je l'ai trouvé. Il est planqué le petit vilain. Regardez-moi ça comme il se planque. L'homme méchant. Et quoi là-dedans? Ouais bouffe. 69 PV là, c'est quoi ces performances toutes pourries? Hein? Non mais... Ah bon, ça va, c'est une fontaine. C'est une belle petite fontaine, c'est cool. 183, ça j'aime bien. J'aime bien être à Tartarus avec quasiment 200 points de vie. Ouh, mais y a, je suis à 50 température, je peux aller à Ereb. On va voir ce qu'il y a comme récompense à la sortie de la salle et ce qui est proposé à Ereb. Hein. Parce qu'avec le bouclier, ça peut le faire. Si je me démerde pas trop mal. Si, le mot-clé est toujours si, bien entendu. Allez, viens là. Ouais, je commence à bien apprécier cette technique du bouclier. Déméter, pognon, et là... Une grenade. Ouais, non. J'ai pas trop envie, là. Est-ce que j'essaierai pas Zeus Déméter pour changer? On va voir. Misérable des enfers, voici votre chance de me prouver que vous n'êtes pas tous payés à rien foutre, que vous n'êtes pas tous inutiles. Ah, ce bonheur. Bah. Pourquoi je vais au milieu de la salle? Moi, je veux juste les esquiver, en quoi. J'ai même pas besoin de les combattre, c'est ça qui est magique ici. Même pas besoin. C'est la tactique du planqué, et encore une fois, j'ai déjà fait bien pire que ça, donc même pas honte. Je suis trop vieille pour avoir honte. C'est ça qui est bien quand on est vieux. C'est cool. Ouh! Time's up. Il m'a fait peur ce truc. Il m'a fait peur! Bâtard. Mon petit-fils, ma jeune pousse, je me disais, si ma Perséphone est en vie, alors cet hiver n'a-t-il pas assez duré? Il est assez rude de nature, mais je suis la déesse des saisons, Zagreus. Je pense qu'il est grand temps que leur cycle reprenne son cours. Ok. Est-ce que je prendrais pas son soutien à elle, ou son lancer? Qu'est-ce que j'ai sur Zeus Déméter? Qu'est-ce qu'il fait nouveau son duo? Non, moisson hivernale. Moisson hivernale, il est génial, quoi. Sur une run dominée en Déméter, il est excellent, mais il n'est pas évident à voir parce que déjà, tout ce qui est souffle arctique, volonté vorace, etc., c'est des bienfaits que vous pouvez avoir que après avoir déjà pris un bienfait de Déméter. Donc, ça fait
au minimum 3 bienfaits d'Emeter à avoir. Non, 4. 4. Les prérequis plus, plus ça. 20 de glace. Ouh, mais je les ai pas eu ceux-là. Fusion froide. Bon, bah écoutez, on va prendre son soutien, mamie. Hein. Soutien ou lancer. Ah, j'hésite. Parce que en même temps, sur le truc de Zeus. Électricité statique, il est vachement bien avec le lancer de Zeus. On va prendre le soutien. Le rayon cristallin, il est bien, mais je l'ai usé et abusé. Et j'ai envie de faire un petit peu autre chose comme combo. Hein. C'est pas pour dire, mais un peu quand même. Bah alors, vous êtes où? Ah bah, c'est une pépouse là. Hein. Ça va, on est tranquille. On se met bien, hein. Allez, ma technique. Viens bousiller la sorcière. Ah oui, il parle à son bouclier, c'est vrai. C'est vrai que Zagreus, il fait ça. Il parle à ses armes. En même temps, moi aussi, je parle à mes objets. Donc, je parle bien à mon ordi ou à mon téléphone, donc pourquoi pas. Voilà, faire ça comme ça. Histoire de pas se prendre des dégâts connement, ce serait dommage. J'ai rien dit. J'ai pris des dégâts connement parce que c'est moi. Bon, mais ça va, c'est des petits dégâts. Ça aurait pu être pire. Wouah, gratter 5 PV, yay! On va aller où? Bah, on va aller chercher... Est-ce que je vais chercher Poséidon? On va chercher Poséidon. Hein? Bah non, en fait, j'ai tous mes points de vie, donc ça va. Ouais, bon, il parle de ses frangins, tout va bien. Pression hydraulique, il peut être sympa. L'élan aussi. Je vais prendre ça, pareil, pour changer un peu. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'élan quand même, vu que j'ai quasi rien, mais tant pis. Bon, il est trop tard pour regretter. Quel cauchemar. J'étais justement en train de compter Zagreus. Il se trouve que j'ai déjà perdu 50 fois contre toi, si ce n'est pas plus. Tu y crois, toi? Je suis tombée bien bas. Non, t'es tombée encore plus bas quand tu viens me rejoindre dans ma chambre, je crois. Ah, ne prends pas si mal, mec. Quand tu meurs plusieurs dizaines de fois, tu finis par t'habituer non seulement à la douleur physique, mais aussi à la douleur émotionnelle. Tu revues un peu des deux? Ah, cette relation! Bien sûr, pour qui tu me prends? J'imagine que ça n'est plus la peine de continuer à compter désormais. J'ai pas fait gaffe, qui c'est qui était avec? C'était Tisiphone, hein. Ah non, c'est Alecto. Acrote, c'est Alecto. J'aime pas Alecto. Enfin, je vais essayer de l'avoir au bouclier, elle. Hein. Si c'est pas les pointes qui m'ont avant. Ah, ça pique. Viens te faire piquer, Mégère. Hein. Viens te prendre du pic-pic, toi aussi. Ah, c'est beau, ça. C'est beau quand elle est déjà à la moitié de ses PV. Et qu'elle m'a pas encore envoyé son attaque qui pue là. Bon, je me suis pris des dégâts, mais en vrai, il y a pire. Non, le bouclier, il est pas mal contre les Erini en mesure d'urgence, de façon générale quand même. Où qu'elle est, la mégère? Ouais, en vrai, j'aimais pas du tout cette technique au début. Enfin, sur cet aspect, et puis quand on s'y habitue et qu'on joue pas trop comme une merde, ben... C'est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'était ça que j'attendais. Et ça, avec le bouclier, c'est absolument génial. Voilà, si je peux éviter de rester sur place, ça fera bien, hein. Yes! M'ennuie donc je reviens. Bah écoute, bah j'espère que tu t'ennuies pas trop ici du coup, hein.
C'est... Ce combat est allé vachement mieux que le précédent, hein. Comme quoi, quand je dis que j'ai plus de mal que sur Alecto que sur les autres... Bah, je vous plaisantais pas. Ok, Ouais, mais du coup, est-ce que je vise un Zeus Déméter, moi? Ou est-ce que je tente de monter celui-là? Ah, on prend ça pour changer. Je reviens, c'est que non, je suppose, ouais. C'était quoi ça, tresse? Ah oui, c'est la tresse d'Atlas, ouais. Atlas avait dit tresse? Let's go up. J'imagine que oui. Cheers. Bon, bah du coup, je monte un peu en température dans le bouclier. C'est pas plus mal. Je vais essayer, je vais le monter progressivement pour l'instant au niveau de... Je repars, je redonne 2 minutes MDR, y a pas de soucis. Tu viens et tu vas quand tu veux, y a aucun problème. De toute façon, moi je continue à parler dans mon coin, hein, c'est pas un souci. Ah, la conne. Regardez-moi cette vieille conne. Ah, ça méritait un petit clip, ça, je crois. Oh, dis donc. Ah, il tombe du plafond, mais après, il fait pas grand-chose, hein. Viens là. Ah, mon perso qui tout tousse. Oh, du coup, le cône de chantier est toujours là, ok. Ah, presque. J'ai presque vu avec ma tech. Mais non. Voilà, là, je l'ai eu. Bon, bon, ça s'est pas mal passé pour l'instant. Ça va, c'est pépouze. Enfin, pépouze, non. C'est jamais vraiment pépouze, mais... En même temps, moi, ouais, de 218 PV, je commence à être un peu un sac. J'avais dit, il faut quand même que je monte un peu sur le DPS. Hein. Augmenter un peu la technique. Ce qui est magique avec ce bouclier, c'est que c'est le bouclier de Schrödinger, vous pouvez quand même parer avec, même quand vous l'avez lancé. C'est absolument merveilleux. Bon, par contre, si je savais faire ça un peu mieux, ce serait cool. Voilà. Allez, viens par là. Oh, il l'a raté! C'est bon, elle est partie? Ouais. Et lui, il est où? Il est là. Bah vas-y, fais-toi sauter tant qu'on y a. Hein? Message pour toi, Cousy. Il dit, serre-toi, c'est gratuit. Ah oui, bah oui. Hein? Ah, technique fulgurante, ça c'est bien. Comme j'essaye de jouer au maximum sur la tech Eurydice. On va aller chez Eurydice. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs... Non, il n'y a pas de puits de Caron. Donc, on va aller voir Riri. Riri dit ça. Tout le monde raconte que Perséphone est de retour. Ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle, mon chou, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui. Je suis contente. Et oui, et je suis toujours là parce que j'ai de nouvelles affaires officielles dont je dois m'occuper. Qui signifie que je ne vais pas perdre mon goûteur occasionnel. Ah bah ouais, bah c'est vrai que je vais goûter ces bons petits plats. Eh bon, à prendre celle-là, puisque j'ai pas des masses de bienfaits, j'en ai que... Ah si, j'en avais trois quand même. C'est quoi celui-là qui l'a amélioré? Pression hydraulique, ok. Ah, de nouveau de l'Aphrodite, mais cette fois on va pas prendre son lancer, hein. J'aurais peut-être dû prendre du Déméter quand même plutôt que le châle. Bon, c'est pas grave. Au pire, je sais que Zeus Déméter, j'ai pas encore fait son duo. Enfin, leur duo. C'est quoi les étincelles vertes que j'ai sur moi? Ah, c'est le truc de Poséidon, je crois. C'est le truc de Poséidon, il me semble.
De sauter dans les boucliers, bah ouais, bien sûr, y a pas de problème. Y a aucun problème, les gens, hein. Voilà. Allez, c'est quoi la suite? Oh bah. Le bouclier était même pas lancé, qu'il faisait déjà son boulot, c'est trop cool, trop classe. Ouais, 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 je suis content de tryhard, enfin pas de tryhard, mais de faire un peu au bouclier pour m'entraîner. Si je regarde des animés, pas des masses en ce moment, mais ouais, de façon générale, ouais, je regarde des animés. Après, je dis pas des masses en ce moment, c'est mais comme tout comme je regarde pas des masses de films et tout, parce que ben, je regarde vachement moins de séries depuis que je stream. Parce que j'ai bah du coup c'est du temps que je mets dans le stream plutôt que dans la dans les séries quoi. Ok, bon, c'est fait. Mon préféré, au purée, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai bien aimé en animé? Bah moi j'avais bien aimé Madoka, bon c'est plus très récent, hein, ça a quand même une dizaine d'années maintenant, mais dans la série Déconstruction, truc de Magical Girl, c'était quand même génial. Code Geass, qui est très très bon. J'avais bien aimé Kill la Kill, c'est complètement explosé, mais c'était très fun à regarder. Non, j'allais dire pas, j'ai dit pas le lancer d'Aphrodite. Bon, autrement, oui, les grands classiques, hein, les films du studio Ghibli en général, ce genre de choses qui sont toujours très bons. Bah alors, tu viens où, toi? Il revient, mais il est pas pressé. Hein. Je suis sûr que j'en oublie des trucs. Hein. Des animés. Mais... Qu'est-ce qui était qui est assez sympa aussi, en tout cas la première saison. Alors, je me rappelle plus le titre parce que c'est adapté d'un light novel, donc c'est des titres à rallonge. Mais c'est un truc du genre le jour où j'ai été réincarné en slime. Qui est pas mal fun. Il y en a un autre, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est pas mon favori nécessairement, mais qui est sympa aussi. Mais j'oublie le titre. C'est un truc du genre ma vie en tant que méchante, ou un truc dans le genre. C'est une nana en fait qui a, bon, le truc classique, hein, style isekai, accident de voiture, et en fait au lieu de mourir, elle se réveille dans le corps d'un personnage de jeu vidéo, du jeu vidéo auquel elle jouait avant de mourir. Sauf que le personnage en question, c'est pas l'héroïne, c'est la méchante. Et puis c'est les jeux du type où l'héroïne, l'héroïne elle est pure, elle est gentille, il y a plusieurs fins selon le garçon avec qui elle sort, etc. Et dans toutes les fins, la méchante en question, elle est au mieux exilée, au pire exécutée. Et du coup, la nana, quand elle se réveille dans le corps de la méchante de l'histoire, elle fait « Oh là là, il va vraiment falloir que j'évite ça, parce que sinon je vais mourir. » Donc, elle se comporte du coup non pas en tant que méchante, mais en tant que un peu elle-même. Et comme elle-même, c'est pas quelqu'un de méchant, au final... Non, finalement, elle risque pas trop de se faire avoir parce que les autres personnages la trouvent sympa et l'aiment bien et tout. Et c'est assez fun, quoi. Il y a des... Parce que les personnages qui avaient tourné de telle et telle manière, genre les comment s'appelle, les love interests, les mecs dont l'héroïne pouvait tomber amoureuse, qui, y en a un, c'était le prince un peu psychopathe, l'autre, c'était un assassin complètement obsédé, stalker et tout machin... du coup, eux-mêmes, ils tournent pas de la même manière. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que quand la nana se réincarne, c'est dans le personnage de la méchante, mais quand elle a genre 7-8 ans. Donc elle a plusieurs années avant la fin du jeu pour rectifier le tir. Et donc ça permet également de voir les autres persos évoluer différemment. Et c'est assez fun, c'est assez fun. Réflexe foudroyant... j'avais dit... C'est lequel que je visais ici? Fusion froide. Électricité statique. Donc ce serait bien de prendre le tir de Zeus. Je crois que celui-là, il peut favoriser l'autre. Ah oui, mince, c'est Mamie qui est pas contente. Forcément, ouais. Forcément que Mémé me fait la gueule.
puisque j'ai choisi tonton à la place d'elle. Ah! Non, c'est pas moi qui ai lancé mon appel. Ah la loose, j'étais là, je fais ah l'appel de Déméter, j'ai lancé ça moi. Bah non, tadam. C'est bien le problème. C'est bien le souci. En plus je vais dedans hein. C'est à peu près comme les projectiles à Hollow Knight. J'ai un très grand talent pour les attraper avec ma tête. Mais à part ça tout va bien. Alors il y en a un là-bas, il faut que je fasse gaffe. Ah c'est pas fini, ok. Là il y en a un autre qui apparaît. Ah c'était bien le petit ricochet, c'était assez fun. Bon. Il y a un truc là-bas, j'ai pas vu ce que c'était au fond. Ah! Il y a un crétin dans la lave. Bah on va le laisser dans la lave. Hein. Moi je dis c'est pas mal. Il est bien là-bas. Mais... Bon, le bouclier c'était bien, mais c'est pas dans ce sens que je te voulais. Plutôt comme ça. Comme ça c'est mieux. Ok, super. Faut les voir pour les attraper, ouais. Alors, frappe givrée. Élan du Mistral. J'ai déjà quelque chose sur l'élan. J'avais pas pris l'élan Poséidon. On va prendre l'élan puisque je n'ai rien encore pour l'instant et que j'ai pas envie d'arriver vers la fin du jeu sans élan. Qu'est-ce qu'on a là du Hermès, Caron. Ah, est-ce que c'est déjà l'occasion d'aller chez Caron? Bon. Je crois que oui. Merde! Chut. Je confonds avec le dash encore une fois de Hollow Knight. C'est terrible. C'est aussi pour ça que je veux pas faire trop de jeux différents à la fois parce qu'après je commence à mélanger les contrôles. Allez, la pêche. Meilleur moment de Hadès. Pêcher des poissons. Bon, c'est quand il veut. Allez, viens la pote des poissons! Un magmas. Y a pas de sandwich. Bon, on va se débrouiller avec ça. Ok. Ah, ouais, bah ça, je veux bien. C'est encore pas trop mal à ce niveau-là. On va prendre ça. À quoi ça sert de quoi le sac? Ah, ou... Non, tu veux dire les poissons? À quoi ça sert la pêche? La pêche en fait c'est après quand tu reviens aux enfers, t'as le cuisinier dans le... Ah, mettre son message en avant, ben ça le surligne en fait. Ben là en l'occurrence moi dans OBS je le vois surligné en violet. Donc en fait ça lui permet de ressortir par rapport au reste du chat qui apparaît en blanc chez moi. Enfin en blanc sur fond sombre. Donc ouais ben, ça le met littéralement en avant et c'est comme ça, le streamer a plus de chances de le remarquer, surtout quand le chat va vite. C'est aussi pour ça, c'est le truc que je le mets pas, je mets que à 100 points de chaîne, parce que... Pff, voilà, quoi. Après, si tout le monde le fait, bon... Plus personne sera mis en avant, mais bon, ça... Ah oui, j'ai deux sur le lancer, j'avais dit, hein. J'avais dit qu'on faisait ça comme ça. Et j'ai l'appel de mémé. Bah alors Lernie, tu viens ou tu viens pas? Ouais bon. En même temps, c'est pas très utile. Ah! Je vais pas marcher dans la lave. Il y a un des... Ouais, ça sert pas trop, c'est ça. Je lis tous les messages parce que j'ai le temps. C'est pas trop... Il y a pas trop de monde dans le chat en général. Et même quand il y a pas mal de gens qui parlent, ça va, ça c'est... C'est pas un chat à 500 personnes pour l'instant, quoi. Je sais pas si ça le sera un jour, d'ailleurs. Peut-être, peut-être pas, qui sait. En vrai, si c'était un chat à 500 personnes, je sais même pas si j'arriverai à le gérer, quoi. C'est... En fait, c'est dommage, mais c'est pour ça, je sais pas si c'est pareil pour toi. Mais moi, c'est pour ça, je vais pas tellement chez des gros streamers... Parce que au niveau du chat, il n'y a pas vraiment d'interaction, quoi. Ils ont juste tellement de monde. T'inquiète, un jour ça viendra. Ouais, mais pas trop vite. Pas trop vite. En fait, c'est ça, j'ai pas trop envie que ça explose. Parce que quand ça explose du jour au lendemain,
Bah en fait, t'as pas le temps de voir venir, alors que là, c'est quand c'est progressif, c'est bien. Non, on va pas utiliser l'appel maintenant. C'est un peu tôt. Ouais, j'ai pris plus de dégâts sur celui-là, je me suis moins bien débrouillée. En même temps, j'étais... Ah bah oui, j'ai pris plus de dégâts, mais j'étais pas en PV maximum non plus. C'est vrai que ça va être pour. Allez, reviens le bouclier, reviens vers moi. Et puis, va poutrer toutes les hydres. C'est mieux quand il n'y a pas trop de monde, ouais. C'est... autant quand t'as un chat à zéro personne, c'est vrai que c'est un peu déprimant. Mais autant, moi je vois par exemple, joueur du grenier, des fois je regarde, il y a 13 000 personnes, 13 000 viewers, quoi. Je me dis, mais en fait, il peut pas leur parler, quoi. C'est... Il fait du coup son petit monologue, mais... Il faut que j'arrête d'aller dans la love, moi. Mais je suis coquine. Mais je suis débile. Il est où mon bouclier? Il est là. Ah oui, bah en même temps, ouais, bah, si je faisais gaffe aux œufs qu'elle lance, ce serait cool. On va balancer l'appel, hein. Voilà. Ouais, je préférais l'appel d'Aphrodite pour le coup, hein. Il était quand même plus sympa. Quoique. Ah, mais quelle conne! Ah non, mais je suis nulle! Ah, j'étais trop près. J'étais trop près. 500 personnes, si plein de monde parle, tu suis pas et tu loues plein de trucs. Exactement, Terraclo, exactement. Quand t'as trop de monde, tu lis pas. Parce que sinon, tu passes ton temps à faire ça et tu joues pas, tu fais rien d'autre, quoi. Une personne, tu sais, ressens un message lu toutes les deux minutes, ouais. J'ai pas fait de calcul, hein, évidemment. Mais c'est un peu ça, quoi. Donc c'est... Ouais, le succès, c'est bien. Mais c'est pas terrible pour l'interaction. Ah, ce refus de la mort que j'ai perdu comme une grosse queue que je suis. Bon, je le récupère, quoi, mais bon. J'aurais préféré garder mes 200 balles pour autre chose. J'ai encore pris le gland. J'aime bien prendre le gland pour le combat. Ça donne beaucoup de thunes, ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah bon. Ok. Élysée. J'ai toujours pas eu mon deuxième marteau, moi. Et j'ai toujours rien sur la frappe, même si c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc ça va encore. Allez les chars, mais non, arrêtez de courir. Laissez mon bouclier venir vers vous. Il est où mon bouclier? Ah, il est là. C'est bien comme ça, c'est reposant, hein, vous trouvez pas? Ça va, ouais, c'est assez reposant. Cette technique. Mais en plus, ils bougent même pas, quoi. Ils restent là, ils font rien. Pourquoi vous faites rien, les chars? Enfin, c'est pas que j'aime m'en plaindre, mais... Bon. Va monter un peu le tir. Ah, prendre un cœur. J'ai l'occasion en or de voir un streamer se vautrer sur un jeu, alors je me casse. Vas-y, y a pas de problème, tu me raconteras. tu me raconteras si c'est quelqu'un qui se vautre mieux que moi ou pas. Parce que moi je sais que je peux faire du beau vautrage. N'est-ce pas le combat contre le proche disparu, hein? L'instant de magie ultime. Ah, trop tôt. J'ai tiré trop tôt. Tiens, il est bien contre les petits chars. Non, pas rester là. Miaou ! Le char qui miaule, miaou ! Avec le bouclier là, si tu as rien sur l'esquive, tu te fais défoncer. Ouais. Bon après, faut que j'esquive à la main, quoi. C'est-à-dire en comptant uniquement sur mon skill légendaire. Certainement pas, ouais. Patrocle, bah ouais, ouais, bah voilà. Patrocle, il va être bien, là, pour un... Non pas un baiser du Styx, mais... Un émincé de je sais pas trop quoi, là. Hydracola, voilà, c'était l'Hydracola Premium. Je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il y a du pognon ici? Non, il y en a pas. Ouais, bah décidément... Ah non, il parle tout seul, ok.
D'accord. On parle beaucoup de la reine Perséphone ces derniers temps, étranger. Je suis plus un étranger, c'est 166 fois que je passe chez toi. Ta mère, paraît-il, on dirait que ton histoire est presque aussi compliquée que la mienne. Ouais, c'est une longue histoire. Bon, les dialogues tournent un petit peu en rond sur ça quand même, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Bah bon, en même temps, j'ai fini le jeu, donc... C'est bien qu'ils aient quand même encore rajouté des dialogues sur même une fois le jeu fini. Donc. Je vais pas trop critiquer. Hydracola Premium, on avait dit. Parce que là, le baiser du Styx, en vrai, je peux le prendre, mais il me sert à rien. Donc ce serait gâcher un joli bienfait. C'était quoi? C'était choc électrique qu'il fallait que je récupère de Zeus. Oh, Astérion! Mon copain! Sans qu'un autre combat féroce nous attend, Minus. Mais on dirait que tu as quelque chose à me demander. C'est juste que j'ai une demande un peu spéciale. Tu connais Hypnos, le dieu du sommeil? C'est un de mes collègues, un grand fan. Il voudrait avoir un autographe de ta part, genre un petit message personnalisé. Tu pourras faire ça pour moi, ça lui fera tellement plaisir. Un autographe, je vois. Il y a donc des dieux qui m'apprécient. En ce cas, je vais dédicacer un morceau de parchemin pour ton collègue. Un instant. Le Minotaure inscrit alors un bref message à l'attention du dieu du sommeil sur un parchemin, qu'il remit ensuite au prince. Oh non, c'est magique. Sache, Minus, que c'est à toi que j'accorde cette faveur et non à Hypnos. Cela dit, il peut venir me défier ici lui-même à tout moment. Ah oui, maintenant ça poutre, oui. Ok. Ah non, le bouclier est trop lent là. Par contre, oui, on est d'accord là, il faut un petit peu d'esquive. Hein. Sinon, ça le fait pas. Voilà, le lancer de Zeus, il est quand même plus sympa que celui d'Afro. Hein. Pas pour dire, mais un peu quand même. Du coup, le Minotaure il reste sur le bouclier, c'est intéressant. Yes, ça passe. Bon, en vrai, Astérion, sans les mesures d'urgence, c'est reposant, quoi. Bon, je dis ça, je vais sans doute me faire défoncer le fion, hein, parce que je vais faire des conneries, mais... Tout ça, c'est normal, hein. Il est mal placé, le bouclier, là. Ah, ah, ah! Ah, ça va. Non, il est mal placé. Viens là! Viens là, mon ami. J'aime bien le... Je vois. Je suis en train de me dire, faudra vraiment que je me récupère un stream deck quand même, parce que je puisse utiliser voice mode correctement. Ah bah, des metteurs, on profitait. Bon sang. Eh ouais. Ah, il m'a quand même mis un coup. Là, effectivement, je n'ai point esquivé. Bref, il y a ça. Mais c'est rigolo. C'est rigolo, ce bouclier. J'aime bien. Ok, oh, t'es tout bleu, le taureau. Il est tout gelé. Le pauvre. En vrai, j'aimerais trop qu'on puisse faire pote avec Astérion, quoi. Il est trop sympa. Électricité statique, je crois que c'est ça qu'il me fallait. Hein. Je vérifie. Mais je crois que c'était ça. Comme ça, j'ai l'appel et... Yes, excellent. Ok. Bah, normalement, maintenant, j'ai les prérequis pour fusion froide. Moi, c'est fusion froide, je le prends, c'est plus parce que j'ai pas encore fait... Je l'ai pas encore obtenu. Hein. En fait, c'est ça qui est un petit peu embêtant, maintenant. C'est le côté pour compléter les bienfaits qui me manquent, etc. dans les listes des prophéties. C'est un petit peu du farm, et c'est pas forcément compatible avec un build qui tient la route. Donc ça, c'est peut-être certaines choses, ouais, comme dit, que je ferai en dehors du stream, histoire que toutes les runs soient pas pourries non plus. Histoire que ce soir, ça va, j'ai déjà connu pire, hein, niveau pourriture. J'ai perdu une fois une vie, mais c'est pas dramatique. Ah ouais, eux, il faut que je les vire. Oh, il y a un papillon de ses morts là-bas. Ça va pas le faire. Il est où, mon bouclier? On va l'envoyer là. Voilà, super.
Ok, il y en a deux. Bah dis donc, je suis gâtée là. Deux cristaux et deux papillons. Pas cool. Ah ouais, pour ceux qui connaissent pas bien le jeu, les cristaux bleus, ils font des boucliers sur les autres ennemis, donc c'est pour ça que je les décarre en premier, quoi. Allez, on va nettoyer un peu. Ça me permet de me gratter l'oreille pendant ce temps. Oh! Moi, je me suis pris un petit tir, là, comme ça, tranquille. Mais ça vaut pas le cône de chantier que je me suis pris parce que j'ai pas esquivé, parce que j'étais occupé à boire. Faudrait que je pense à parer un peu plus, mais j'aime trop m'amuser avec la technique pour l'instant. On va encore prendre un cœur de centaure, hein. Les grenades c'est bien, mais vu le bienfait que j'ai sur les cœurs de centaure, ce serait dommage de pas en profiter. Voilà mon bouclier qui revient. Bon, on va quand même esquiver un peu, hein. Ah ouais, le char qui attend dans la zone d'explosion, ça c'est beau. Ça, c'était très très beau. Et il y a encore lui. Voilà, jouer avec mon bouclier pendant que je récupère ça. Mais ouais, le 16 et le 32 en température, ils sont encore loin. Hein. Mais peut-être. Si j'arrive à apprécier le bouclier autant que les points, ça va carrément bien le faire. Super, c'est passé. Ou pas. Où est-ce qu'il est le cristal? Il est là. Je sais pas si foncer dans la mêlée c'est nécessairement une bonne idée, hein, je sais pas. Re-salut de Game 23. Alors comment ça s'est passé? Vous avez bien joué? Bah alors les papillons là. Vous pouvez mourir plus vite, merci. Ah bah merci. Voilà. Ah, c'est fait. 300 de PV avant d'arriver sur Thésée Astérion, ça le fait, moi je dis ça le fait. Ah bah tant mieux. Alors du coup, t'as joué Valkyrie? Ou t'as pris un autre perso? Sur Apex, ouais. Ouais, sur Apex. Bah c'est bien ça, t'as bien dit que t'allais jouer Apex, hein. Ah et puis du coup, bah ouais, il y a ton copain là qui est passé, il y a Titilou. Donc c'était lui qui avait follow, c'est vrai que comme t'en avais parlé hier, donc du coup j'avais reconnu le pseudo. Alors, on va essayer de pas trop se faire taper. Ouais, ça va. Bonjour, je sais pas viser comme d'hab. C'est pas que du Battle Royale. Ah! Ouais, j'avais dit que je connaissais très très mal, hein. Mais... Puis en fait, j'avoue, des fois je les confonds un peu entre eux. Comme c'est des jeux que je connais pas bien, j'entends. Donc, j'ai honte. Un jour, je compléterai ma culture vidéoludique. C'est promis. Ramasser ceci. Oui, je vais ramasser ceci, y'a pas de soucis. Ah! Je l'ai... Comment j'ai fait pour pas voir le char? C'est quand même beau, hein. Allez, mamie va jouer avec eux. On va faire une partie pour commencer si tu veux. Écoute, ouais, c'est pas le type de jeu qui va m'intéresser à la base. Après, si c'est gratuit ou que c'est pas ou pas trop cher ou des trucs comme ça, à l'occasion, ça peut toujours être intéressant, ouais, de découvrir. Mais je garantis absolument pas que... Ça, c'est... Voilà, c'est comme à chaque fois qu'on essaye un jeu, ça plaît ou ça plaît pas, quoi. On peut pas on sait pas forcément si ça va plaire. Mais je crois que c'est souvent des jeux, ils sont... La base, c'est gratuit, et puis après, il y a des battle pass, des trucs comme ça. Ouais. C'est bien ça. J'ai même pas fait gaffe, il y a des trucs à nettoyer dans la salle. Mais dites donc, là, ils sont plus gros qu'avant, ou c'est moi? Oh non, c'est juste moi.
C'est le char qui poursuit le bouclier ou le bouclier qui poursuit le char? Des fois, je sais pas. Hein. C'est rigolo. Non, en vrai, c'est le bouclier qui me suit, moi. J'aime pas ces ennemis. Je l'avais déjà dit. À peu près 40 millions de fois. Voilà. Comme ça, c'est un peu mieux. C'est un peu plus tranquille. 36 PV. Bah, je pense que là, il va y avoir les boss. Bon, bah écoutez, vu que je suis partie pour être un sac à PV, on va en profiter. Hein. On va retourner chercher. J'arrive plus à parler. Chercher ça. Par contre, ouais, pareil qu'avant, le DPS, il est pas terrible. Faut que j'apprenne à optimiser ça. Je peux t'acheter des personnes comme Loba. Crevante, il y en a plein d'autres. Ok. Bon, après, ouais, j'avoue aussi le principe de devoir acheter des trucs, tout ce qui est microtransactions et compagnie. Je suis vraiment pas fan. Donc, c'est vrai que j'essaye d'éviter les jeux qui reposent sur ça. Alors, après, je sais pas si c'est de la microtransaction dans Apex spécifiquement. Mais là, quand tu parles d'acheter. Ah, c'est pas avec des vrais sous, ok. Ouais. Parce que c'est vicieux ces trucs, hein. C'est. Bah, c'est le truc assez classique, tous les jeux à microtransactions où techniquement, t'achètes pas tes personnages ou tes boosters, etc. avec du vrai argent. C'est tu utilises la monnaie, les gemmes, la monnaie du jeu, les trucs comme ça. Sauf que la monnaie du jeu, elle s'achète avec du vrai pognon. Et ça, c'est vrai que c'est hyper vicieux, comme beaucoup de jeux, plus en plus font ça. C'est vraiment agaçant. Oula. Alors après, ouais, j'en ai, j'ai un ou deux jeux sur mobile. J'avais essayé style les jeux Harry Potter, les trucs comme ça. Comment ils s'appellent Hogwarts. C'est quoi? Hogwarts Mystery, mais il est oh là là. Lui en microtransaction par exemple, c'est un jeu où qui repose les actions consomment de l'énergie. Et en fait, ben l'énergie quand on a plus, faut attendre qu'elle se recharge, sauf qu'elle se recharge lentement. Donc tu peux accélérer ça en achetant des packs d'énergie. Sauf que avec la monnaie du jeu. Sauf que bah la monnaie du jeu, faut l'acheter avec des vrais sous. Et ils avaient fait un truc, au tout début du jeu en plus, ça avait pas mal été une grosse controverse. Où, à un moment donné, le personnage qu'on joue se retrouve pris dans les filets du diable, là, les espèces de racines. Et pour s'en libérer, bah, il faut utiliser de l'énergie. Et il faut utiliser plus d'énergie qu'on en a en stock. Donc en bref, soit il fallait acheter de l'énergie, donc dépenser du pognon, du vrai quand même. Soit il fallait attendre que ça se recharge, mais en sachant que pendant ce temps, le personnage était comme ça en train de se débattre, d'étouffer dans des lianes mangeuses quoi. Le jeu étant quand même joué par des gens qui sont pour certains bah, assez jeunes quoi. Peut-être des, je sais pas, il y a peut-être des enfants de 10 ans par exemple. Je dis ah ouais, balancer ça à un gamin de 10 ans, c'est chaud quoi. Le forcer à regarder son personnage qui agonise là parce qu'il peut pas acheter de l'énergie. Donc j'ai fait. En fait, il y a des niveaux et chaque niveau donne 600 de machin rouge et si tu en as 120 000, tu peux avoir un nouveau personnage. Ah, d'accord. Alors comme ça, c'est pas mal. Parce qu'au final, tout ce qu'il faut, c'est que tu joues, quoi. Ça va. Ça va. Ça peut être chronophage. Ce petit nuage. Ah, monsieur Artemis. Oh, mais ça va. Ça va être tranquille. Parce que Artemis, elle s'est visée qu'au milieu de la salle, en vrai. Voilà. Par contre, Déméter. Ouais, bon, par contre, je vois plus du tout ce que je fais. Hein. Ben. En vrai, je suis pas prêt à admettre ma défaite, Thésée, parce que je suis en train de gagner, donc. Non, je vais pas admettre ma défaite. T'es un peu bête, toi. Je suis un peu près de lui, là, pour parer, non? En vrai. Voilà! Admettre ma défaite? Pourquoi faire? They say to never meet your heroes. Ah, j'ai Edouard Red. Ah! En même temps, après dimanche, c'est pas étonnant. Ouais.
Devoir utiliser plus que le 100% de charge, tu peux, mais faut pas du 130% à utiliser en un coup, car faut payer pour le faire. Celle-là ? Tu parles de la charge du bouclier ou ? J'utilise pas souvent la charge en vrai. C'est... Mais le bouclier, c'est pas une arme que je maîtrise bien. Hein. C'est pour ça que je le joue et je le rejoue maintenant pour m'entraîner un peu parce que... Ah, de ton jeu Harry Potter. Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que je me disais, dans Hades, j'ai fait... Ok, j'ai dû rater un truc sur la charge. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'ai arrêté de jouer, hein, je vous cache pas, parce que... Ça me saoulait, quoi. C'était aussi le principe de faire un passage comme ça qui est quand même... Comme dit, t'es un gamin de 10 ans, tu vois ton personnage en train d'étouffer dans des ronces. Puis tu peux pas le sauver parce que ah, « Maman, j'ai plus d'énergie. Je fais comment ?» Bah, t'attends, chérie. Ouais, je vais reprendre ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Allez. On va reprendre de l'hydracola. J'aime bien le petit labyrinthe en haut. Ça va bien avec le temple du Styx, même si techniquement c'est pas vraiment un labyrinthe. Le seul côté labyrinthe, c'est qu'on sait pas trop où se trouve le sac de satyre, quoi. Tu essaieras Apex, normalement il est gratuit. Je te garantis pas. Je te fais pas de promesses, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Si à un moment donné j'ai prise d'un délire, je me dis allez tiens, je vais essayer Apex. Pourquoi pas. Ah zut, j'ai raté mon poisson. J'ai perdu mon poisson. Mais je fais pas de promesses parce que après, moi je fonctionne en fait pour mes jeux, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Donc là par exemple, pour vous donner un exemple, il y a quelques semaines j'avais essayé Isaac, alors que j'avais déjà commencé Hollow Knight et je suis à fond sur Hollow Knight. Donc commencer un autre jeu par exemple maintenant. Isaac du coup, c'est pas qu'il est pas bien, mais je lui ai pas donné sa chance au bon moment. Donc je réessayerai plus tard. Et en fait c'est juste ça, il faut que je donne sa chance à un jeu au bon moment et pas parce que on me le demande ou parce que c'est forcé ou des trucs comme ça. C'est pour ça aussi que je propose pas de récompense de chaîne du type, je sais certains streamers le font, du style je sais pas pour 5000 points ils jouent au jeu de votre choix. Pour 50 000, enfin, qu'ils ont déjà. Pour, je sais pas, 50 000 points, ils achètent le jeu de votre choix et ils y jouent en stream. Mais moi, si je fais ça et que bah on me demande d'acheter un jeu et c'est un truc que j'ai pas du tout envie de faire, ça va être contraint et forcé et c'est un peu nul, quoi. Bon, écoute, pourquoi pas, ouais, si tu veux en parler un petit peu dans le chat, hésite pas, de Apex, je veux dire. Y a pas de souci. C'est... Hello. Faut pas que je rêve. Faut pas que je rêve, c'est des satyres, ils vont me lancer du poison. Moi je suis là, tranquille, pépouze. J'ai pas tout fait gaffe aux récompenses, il y avait du Zeus ou du Déméter au shop. Bon bah on verra. On verra quand je sortirai de la salle. Oula, oh, la bombe. Ah, la bombe de ses morts. Il me le renvoie ou je rêve? Il me le renvoie. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Comme dit, je joue assez rarement le bouclier, donc. Ah, le petit salaud. Je vous dis, c'est magique de pouvoir se protéger avec le bouclier, alors qu'on vient de le lancer. J'adore ça. C'est... Je valide le principe. Ah. Ah ouais, par contre, alors on est d'accord que le DPS de la charge, c'est de la grosse merde. De la charge, de la frappe, c'est de la grosse loot. Sur cette run, j'ai aucun DPS dessus. Il va falloir vraiment que je joue à la tech, à l'élan et au reste. Eh ben non, c'est pas dans cette salle. Eh ben c'est ballot. Pour pas changer. Ah, poison. Elle est où la fontaine? Elle est où la fontaine? Je suis pas arrivé à les avoir, je crois. Non. Alors là, c'est eux qui vont me déclencher le piège, donc j'ai intérêt à me tirer. Bon. Technique de planquer, mais
comme dit, si ça marche. Voilà. Bah oui, forcément, lui, il a tous mes cristaux, du coup. Mes molites, là. Ah! Je me suis fait eu. J'ai marché sur le piège et je me suis fait eu. Bon, ben... On va attendre, hein. Ah, le cristal qui se prend des dommages, mais pas des gros. Voilà. Alors, tu as de la vie et tu peux trouver des... Child, pas des boucliers. Comment ça? Donc, ça te rajoute de la vie. Ok. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais je regarderai de nouveau après quand je serai plus dans le fight. Où qu'il est mon bouclier, moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il faut vraiment que je dégage les mines. Parce que elles sont chiantes. Je peux pas trop parer quand elles sont là. Est-ce qu'il en reste encore? Je suis pas sûre. Hein. Bon, allez. C'est quoi ce fight? Non mais c'est quoi ce fight? Voilà, là j'ai réussi à choper le rat. C'est ça que j'essaye de faire avec les pièges, hein, on est d'accord, mais ça marche pas toujours bien. Viens le rat, viens manger mon bouclier. J'avais l'élan de Déméter. Qu'est-ce que j'ai de quoi de Déméter? C'est l'élan? Ah, des shields, ok, ouais, ok, d'accord, ouais. Ok, ouais, parce que en lisant rapidement, j'ai lu Child et je me disais. Des enfants? Non, non, et ouais, c'est moi qui avais lu trop vite. Ah, voilà. Je sais pas si ça va être bien, mais comme ça, je l'aurai. D'accord, ouais, du coup, tu trouves des protections et ça te fait de la vie en plus, ouais. C'est assez logique, c'est assez logique. Et est-ce qu'il y a une histoire du type, je sais pas, les personnages, je sais pas, ils participent à un tournoi ou des trucs comme ça, ou... Je pense qu'il y a quand même un élément, genre, comme il y a différents noms de persos, j'imagine qu'ils ont chacun peut-être un historique spécifique. Oui, je sais, j'aime bien quand il y a des histoires dans les jeux, j'avoue. Il se passe quoi là? Y'a un rat qui essaie de me grignoter les pieds. T'as vu ça? Méchant petit rat. Oh ben. Bah là, il est parti. Ok, ouais. Tu peux les recharger, des batteries de bouclier, tu peux aussi te soigner avec des seringues. Ok. Ok, ok. Ouais, donc t'as différents items que tu utilises pour le soin, la protection. Ok. Ah bah dis donc, il y a une crise du logement là-dedans. En plus, il y a des hallebardes qui tombent du plafond. Moi, j'aime plein de proprios. Je paye pas un loyer pour ça, non mais... D'abord. Non, alors c'est la gâchette pour ouvrir... Pour ouvrir les portes. Oh là là, je confonds. Donc, comme je disais, ouais, j'ai envie d'essayer Ori, mais j'ai peur qu'entre Hades, Ori et Hollow Knight, ça soit la merde. Au niveau des contrôles. Mais bon, ça va être le défi pour voir si Mémé Nao, elle sait gérer plusieurs trucs. Hein. Tasty, sort of. Bien, c'est bon, plus ou moins. Ah, ok. Ah, je me disais, ça manque de Paris, mais c'est vrai que Chuba est allé manger. Je crois. Ils sont hyper vitesse, on va prendre ça. De toute façon, l'esquive, pour être honnête, vaut mieux être juste skill en esquive, hein. C'est plus simple. Plutôt que de compter là-dessus. Alors, j'ai quoi? J'ai 600 boules. J'ai toujours rien sur la frappe. Est-ce que j'espère avoir de la frappe sur Poséidon?
Et à ce moment-là, je peux quand même prendre encore deux grenades. Ok, on va tenter le coup. Ok, bon. Comme ça, j'ai un peu de DPS sur la frappe si besoin. On va monter celui-là. Et... on va monter celui-là. Bah, toujours... Je vais jouer un peu technique lancée. C'est plus du gameplay que d'histoire, mais il y a l'endroit où il y a des BD pour lire des histoires du jeu. Ok. Ok. Non, après, voilà, pas nécessairement une histoire hyper bien léchée, complexe et tout, mais... Mais même, tu vois, des petits trucs du genre, le personnage machin a été exilé par son peuple parce qu'il faisait des recherches sur une magie interdite et depuis, il utilise cette magie sombre pour se battre. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Par dépit, enfin, bref. Juste histoire de donner un peu de personnalité au personnage parce que ça j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Ok, je vais essayer de me concentrer un petit peu sur le fight. Valkyrie a perdu son père. Ouais, voilà, par exemple. Y a pas besoin qu'il y ait beaucoup, il n'y a pas besoin qu'il y ait 40 pages d'explications. Mais juste des petits éléments, quoi, qui donnent un petit côté. Voilà, le personnage, c'est une personne, c'est pas juste un tas de pixels, quoi. Tes allées venues sont prévisibles, tes attaques, moi. Mes attaques à Hollow Knight. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un petit bouclier en plus. Mais rends-moi mes émolites, toi! Ah oui, c'est vrai que je peux utiliser ça. Ah non, c'est comme ça que ça marche! Ok, d'accord. J'ai jamais utilisé Morty. Ok, donc ça invoque littéralement Thanatos, quoi. Ok. Ah, c'est cool. Mais c'est en cercle. En même temps, c'est super logique parce que c'est son attaque qu'il fait d'habitude, c'est en cercle. Bon, bah, je vais peut-être essayer de me concentrer maintenant. Vous en pensez quoi? Ça pourrait être cool. Hein. Plutôt que de faire des conneries. Bah, bien sûr que j'allais me prendre des squelettes. Hein. Évidemment que j'allais me prendre des squelettes, sinon c'est pas drôle. Hein. Il m'a rendu un émolite. Oh, il m'en a même craché deux. Je crois que je l'ai esquivé là. Hein. Yes. Non, papa, viens là. Ah, il a son bouclier, donc il va invoquer ses sbires. Debout, misérable, et défendez votre roi. Ok, bon, bah les boucliers. On va surtout s'occuper de Hadès, hein. Quoique. Non, bah non, comme j'ai pas de DPS, faut que je m'occupe de ces cochonneries, là. Non, on va s'occuper de ça. Voilà. Parce que sinon, ils vont vite m'embêter longtemps. Non. Ouais, c'était pas le meilleur à caser, maintenant, mais... Aïe. Bah, en théorie, ouais, mais après être rapide, maintenant... entre Zagreus et sa joueuse, on parle pas de la même personne. Hein. Allez, papa, viens manger le bouclier. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il en appelle une deuxième vague, parce que pourquoi pas. Et alors, c'est quoi? C'est toujours les cristaux et les... Zidron, ok. Non mais c'est bon là le cristal qui vient me péter à la face. Hein. Ah j'ai plus d'émolite. La loose. J'aime bien c'est... Ah je me suis fait toucher. Ah bah zut alors. Ah là là comme c'est dommage. Bon bah là ils vont tous m'exploser à la face en même temps donc on va... Ouais, il y a trop de squelettes. Mais bon, c'est pas dramatique non plus, donc tout va bien. Et toujours la magnifique musique du jeu.
Qui est d'ailleurs la musique de l'écran d'intro, hein, et en fait, bah ouais, c'est la musique du boss de fin. C'est intéressant comme choix, on va dire. J'aurais pu utiliser l'appel de Déméter en vrai, mais il est quasiment fini, donc je vais le garder pour la deuxième phase. Histoire de le descendre un petit peu en P2, quoi, tant qu'à faire. Voilà. Ah oui, il va m'envoyer une vague. Ah ouais, d'accord, tu commences comme ça, toi. Bon, bah écoute, hein. Va aussi te le rendre l'appareil, hein. Ah, ça y est. Voilà. La musique qui s'accélère. Voyons donc. Il a déjà un cœur? Ah ouais, déjà un cœur. Ok, bon. Maintenant, rends-moi mes hémolites, papa, s'il te plaît. Je vais en avoir besoin vite. Hein. Voilà. La solitude de ce bouclier qui tourne tout seul dans un coin là-bas. Ah bah non, il revient évidemment. Ça, c'était beau. Et tu rentres à la maison, va ranger ta chambre. D'abord, c'est un bordel sans nom. Et puis, enlève-moi les pétales de fleurs dégueulasses que t'as mis à l'entrée du palais. Qui, j'avoue, est entièrement ma faute. Parce que oui, c'est pour ça que le palais de Hadès est absolument dégueulasse. Hein. Ah, cette saloperie. Regardez-moi ce truc, là. Les deux crânes qui explosent. Alors que, il fallait que j'évite les rayons. Ah non! Bon, ça va, il n'y a pas bouffé les hémolites. On va t'envoyer le bouclier pour jouer avec. Ah zut! Petit coup de sang là. Méchant papa. En vrai, j'ai descendu à un tiers de la P2 et c'est que maintenant que je perds un refus de la mort. Bon, je dis c'est pas mal. Hein. Ça va, je suis pas si rouillé que ça en vrai. Peut-être que je suis rouillé, mais comme je connaissais pas bien le bouclier avant, finalement, ça change pas grand-chose. Hein. Ah ouais, je suis plutôt content. Ça fait deux runs qui normalement devraient passer. Oula, celui-là par contre, il va être chaud. Bon allez, papa, là. Tu meurs? Ah dis donc! Là il s'excite le paternel, hein, je veux pas dire, mais... Voilà! Ah. J'en plus mes doigts, moi. Comment j'ai accompli une chose pareille? Bah j'ai appuyé sur tous les boutons de la manette et... C'est arrivé. Ah, je suis quand même content de finir des runs, hein, quand je pense comment c'était galère au début, quoi. C'est En fait, ça faisait quoi, nouveau, le machin, là? Fusion froide. Vos effets de choc n'excitent pas immédiatement lorsqu'un ennemi affecté attaque. D'accord, ça dure 10 secondes. Ça va, c'est pas mal. Quand on a des trucs de choc, effectivement. Ah! Voilà, ok, d'accord. Ouais, je les avais pas parce que je m'en suis jamais servi, je les ai jamais invoqués, les deux autres compagnons. Ok, bah, va falloir que je fasse ça. Y a pas de poiscaille ici. Ah, il court tout vite! Ça rigole. Je meurs comment? Ayant réussi à s'aventurer plus loin que jamais, le prince en mal de surface se heurte à des obstacles bien trop affreux pour être comptés ici. Je crois que la voix off manquait un tout petit peu d'inspiration ce jour-là. Ok, ben voilà. Ok, ça me fait deux bonnes runs. Ben, je pense que je vais continuer à travailler le bouclier. L'autographe. Tiens, c'est pour toi. Pour te remercier de tous les relativement bons conseils que tu m'as donnés. Un petit quelque chose de la part d'un certain monstre surhumain à tête de taureau, émaneur d'une hache à double tranchant que tu admires tant.
Attends, c'est quoi? J'arrive pas à déchiffrer l'écriture, ça dit. Non, c'est pas vrai. Pour Hypnos, mon plus grand admirateur, reste vigilant. Astérion. Il y a même un petit dessin de taureau. Tiens. Ouah. Ouah. Hypnos, je te ferai un câlin. Si t'étais pas un tas de pixels, je te ferai un câlin. Oh, il est trop heureux. Mais Hypnos, en vrai, je l'aime bien, quoi. Il est un peu con-con et tout, comme ça, mais... Mais il est gentil. Il y a beaucoup de paperasse à faire, ouais. C'est pour ça que je vous laisse faire. Ah, elle fait toute petite à côté de Hadès, la Perséphone. Hein. Y a pas à dire. Ah, Nyx c'est pas là, elle a dû rendre visite à Cacao. Prêt à remettre ça avec moi dehors. Ouais. En vrai, Mégère, elle aime bien qu'on lui mette la fessée. Hein. Bon, ouais, j'ai gagné une clé. J'ai gagné 200 titans. Est-ce que j'ai encore besoin d'ambroisie, moi? Je vais juste voir combien me coûterait le niveau 1. Enfin, le niveau 2, je crois. Je sais pas si c'est 2 ou 3 pour l'aspect de Beowulf. Je vais regarder. Ça, du coup... Ah, il me manque quelques duos encore, mais pas trop, ça va. Genre 5-6. Ça va le faire. What's new, Skelly? Ouais, t'as douce. Trying to bore me to death without... je disais donc, aspect de Beowulf. You're no mere weapon, are you? Ah non, c'est bien 3. Bon, écoutez, on va juste aller acheter un petit sang de titan pour faire monter ça, hein, mine de rien. Ce qui est bien, c'est quelque part, même quand vous avez augmenté une arme à son niveau maximum ou autre, bah quelque part, il y a toujours moyen de faire des échanges comme ça. Et là, par exemple, les nectars, si j'en ai plus besoin, bah c'est pas grave, je fais des diamants avec. Voilà, quoi. Voilà. J'ai encore suffisamment d'ambroisie pour ce dont j'ai besoin, pour ce que j'ai besoin de faire. Ouais. Je me renseignerai un peu sur l'aspect de Beowulf avant d'utiliser quand même. Il a quelle tête? C'est pas très beau par contre. Ah ouais. Frappe lourde, mais pas beaucoup de portée. Ça c'est le même principe, ok. Alors, c'est quoi? Maintenez B pour charger votre lancer. Puis maintenez... Ok, d'accord. Ah ouais? D'accord, et du coup, ça recrache les hémolites ensuite. On va lancer en force. Ok. Donc lui, il revient plus. Enfin, il revient comme ça. Ok. Ouais, ça va demander un petit peu de maniement. On va d'abord se perfectionner sur l'aspect de Zeus, mais l'aspect de Beowulf, il peut être sympa aussi. Il peut être très sympa. Coucou toi. Coucou mon copain. J'imagine qu'avec à 16 de température, j'aurai droit à une deuxième magnifique statue. Vous savez ce qui m'éclate le plus? Le mec, c'est un squelette. Hein. Tados, c'est un squelette. Et là, c'est Tados sortant du bain avec une feuille de vigne. C'est quand même très rigolo. Ok, bah écoutez, on repartira sur ça la prochaine fois. Par contre, ouais, là, je vais peut-être pas faire une troisième run parce que je commence à être trop fatiguée et je risque de faire juste de la merde. Donc, je vais voir si je peux vous trouver un petit raid Hades à faire chez quelqu'un d'autre. Ouais, je suis à 2 minutes 55 de stream. Allez, le temps de trouver un raid, on sera à 3 heures. Je suis désolée de ne pas faire plus, mais comme dit, je suis encore fatiguée de dimanche. Hein, ça m'a vraiment crevé toute la concentration dont j'avais besoin. Et ouais, mine de rien, ben voilà. Donc...
Je vais aller vous faire un petit raid. On va voir qui fait quoi. Il y a peut-être le jeune martyr qui fait du Hadès en ce moment, donc je vais regarder. Et puis, je remets juste un tout petit peu de musique. Ouais, sinon j'ai d'autres streamers que je suis, mais il faut du Subnautica, du Star Citizen, donc on n'est pas... Au pire, je passerai chez l'un d'eux. Alishin qui fait du Sea of Thieves. Kevlasco, il est sur Hollow Knight, ah, pourquoi pas. Fantasy fait du Hades aussi, bah dites donc. Fantasy, je l'ai raid hier. Kevlasco, je l'ai pas raid depuis quelques jours. Puis je sais. Non, je sais plus quand j'ai raid Kevlasco la dernière fois, ça fait un moment, j'ai l'impression. Je passerai bien chez Kevlasco, je pense que lui, il va faire soit le Colisée, soit le Panthéon, à mon avis. Parce qu'il vise le 112% aussi, donc... Ouais, bah écoutez, on va passer chez Kevlasco, ça lui fera plaisir. À vue de pif, je dirais Panthéon. Ouais, Panthéon, clairement. Ouais, je vais arrêter, je suis désolée, parce que le truc, c'est les runs Hades, j'en ai pour une heure. Et là, là, je commence à être fatiguée, donc je vais vraiment commencer à faire de la merde. Et une heure, ça fait long. Ça va faire trop long. Si c'est pour... Quand je dis faire de la merde, c'est vraiment... ça va devenir n'importe quoi. Donc je préfère arrêter, et puis reprendre. Bon, la prochaine stream, je serai nouveau en forme, et là, ça ira, quoi. Mais en vrai, le stream de dimanche, 6h30, j'avais rien fait d'aussi long, hein. Donc c'était vraiment exceptionnel, là. Et maintenant, je suis fatiguée. Merci beaucoup pour ton live, salut. Bah écoute, bah, merci à toi d'être venu. Moi, je vais envoyer un petit raid de chez Kev. Et puis, bah, je vais envoyer ça maintenant. Donc ouais, bon, c'est pas du Hades, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regardent Hollow Knight aussi, ça devrait pas trop vous dépayser pour le coup. Bon, ben, bah ouais, je vais lancer le raid. Bah en tout cas, pour ceux qui sont encore là, bon, je vous remercie d'être passés, hein, comme de coutume. Je suis contente d'avoir pu vous donner quand même deux runs qui se sont bien finis, surtout pour une arme que je maîtrise pas tant que ça. Donc je vais continuer à m'entraîner pour les prochaines runs, je pense, avec le bouclier, pour monter en température et essayer de dépasser, bah essayer d'arriver en température 16. Donc ça c'est mes objectifs à ce niveau-là, pour que quand même ça soit un petit peu mieux, hein. Voilà, et ben écoutez, je vous dis donc au revoir, bonne soirée, bonne nuit, hein, selon si vous allez vous coucher ou si vous faites encore autre chose. Et puis pour ceux qui restent pour le raid, bah tout de suite chez Kevlasco, n'hésitez pas à lui dire coucou. Alors pas de backseat, bon le spoil là normalement il devrait plus trop en avoir, mais voilà. Après s'il a besoin d'aide, je pense qu'il est grand, il demandera, donc voilà. Voilà, et bien une bonne nuit à tout le monde, et puis je lance le petit raid. Allez, bye bye. Non, mais pas les trucs les plus horribles du jeu, là. Bonsoir, Nao, bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour le raid. Attendez, je mets pas pause tout de suite. J'ai oublié de me soigner, c'est bien.